Good afternoon. My name is Siam Bakori, a PhD student at University Ibn Zohr. First of all, thank you for accepting my presentation. I will present my work entitled as the effective CO size based on DIPSMAP homogeneity for 3D HEVC intercoding. The presentation summary is organized as follows. We start by an introduction of this work, then a background of the structure of 3D HEVC, then we introduce our proposed method and experimental results by following, and then we provide a conclusion of this work. High efficiency decoding HEVC, also known as H265, is a video compression standard designed as a part of MPEG-H project as a successor to the widely used advanced video coding, which is the previous video compression standard. The 3D extension of HEVC is a new international video coding standard developed by the joint collaborative team on 3D video coding extension named GCT3V in order to support coding of multiple views and its associated DIPSMAP data. There are two coding processes in 3D HEVC, which are intra and intercoding. In this work, we focused only on intercoding process. In this slide, the 3D HEVC uses multiple modes and coding unit sizes. These modes are performed to use all the possible coding unit sizes to select the one with least rate distortion, cast as the best prediction mode using Lagrange multiplier. This technique achieves the higher coding efficiency, but it requires a huge computational time, which restricts the 3D HEVC in real-time applications. The system structure of 3D HEVC is interpreted as follows. The texture video and depth maps are coded by axis units. All texture videos and depth maps at same time instance are included in an axis unit. The texture videos and depth maps corresponding to a particular camera position are determined by view order index, namely view index, and they are associated with same value of view index. We can also name this view index by view identifier. The view identifier 0, namely the base view or independent view, is coded independently of the other dependent views. The other views, namely dependent views, and they can be coded with additional coding tools in 3D HEVC. In this work, we focused only on the encoding process of dependent views in DIPSMAP to reduce the complexity of the encoder. In this slide, the CU size splitting process is summarized as follows. Each frame is divided into slices, and then a slice is partitioned into a series of coding three units named CTUs as the basic coding unit. CTUs can be split into four CUs. In addition, a coding unit can also be recursively split into four sub-coding units coming to the next depth level. So the 3D HEVC contains a variable coding unit size according to the coding level range from 0 to 8, and their correspondent sizes is 64 to 8 respectively. In the 3D HEVC, to find the best coding unit size decision, the encoder use Lagrange multiplier to catch the one with least RD cast. The RD cast function is described as follows, which SSA is the sum square the error for lambda and comma respectively. Gamma comma is the comma weighted factor, lambda is the Lagrange multiplier, and B is the byte cast to be considered for 3D HEVC mode decision. The RD cost illustrates the trade-off between coding quality and bitrate.
Then the procedure executes routinely and recursively all possible prediction modes for each depth level. This technique achieves the highest possible coding efficiency in 3D HRSC, but it results in large, high computational complexity, which restricts the practical applications of 3D HRSC. So in this work, we propose a new approach to reduce the complexity of depth map coding. The proposed work based on three main steps, as shown here. First, extract features. We use various features in this work. Then, after extracting these features, we create our training dataset. Then we unsupervised classification method named MainShift is used to extract adaptive thresholds for each CO size. Finally, we execute the proposed algorithm with adaptive threshold extracted from clustering method. We start talking about MainShift clustering algorithm. So in this work, a non-parametrical clustering algorithm is used, namely MainShift, which does not require prior knowledge of the number of clusters. It bases on the density and forms cluster in high density regions to analyze the data instance. MainShift also builds upon the concepts of kernel density estimation, KDA, which KDA is method to estimate for a set of data the underlying distribution, namely the probability density function. The steps of this algorithm are described as follows. First, we define a window or bandwidth and place the window on a data point. Then calculate the mean of all these data points around this window. Then we move this window into the location of the mean and repeat these steps into convergence and form our cluster. Before selecting the features, we have to know the nature of coding units in 3D HRSC. Hence, the coding unit sizes are mostly related to the homogeneity, which large coding sizes are tend to be chosen for coding units with homogeneous regions or small global motion. And small coding unit sizes are chosen for coding units with complex region or large global motion. Therefore, extracting the features that can describe the homogeneity of coding unit can be used to select the best coding unit sizes and can greatly reduce the complexity of the 3D HRSC encoder. The selection of features is inspired by various proposed work related to video homogeneity. Therefore, we use the variance as an extracted feature for our proposed algorithm. The formula is variance is described as follows, which n is the number of pixels of each size. As we can see, the homogeneity of a coding unit is classical according to its variance, where if the variance is very low or low, the coding unit is likely to be coded with large size. However, if the variance is very high, the coding unit will be split to the next depth levels. For creating our dataset, we include three training video sequences to select training dataset for MainShift clustering algorithm. These sequences are different from the test sequences, of course. The training dataset is collected from the first 24 frames of each sequence. We compute the variance of each depth level or each size. The dataset was composed of the two vectors, the variance and split flag information. The split flag is binary level, tick 0 when the coding unit coded with the current size, while ticking the value 1 if the block split to the next coding size. The variance and the after selection dataset for each size, that means that we have three datasets for correspondent to depth levels 0, 1, and 2. The variance and split flag are selected as an input for MainShift algorithm. The output of this algorithm is in centers for each model. In our algorithm, we
are based on mean shift to create a splitting model which in we minimize the number of clusters and fix them into two clusters separate split and unsplite coding units. Steps of this this approach will be described thereafter. First, each cluster includes two subsets, S and NS, corresponding to the distribution of split flag and unsplit flag in cluster, in selected cluster, respectively. Then, if the percentage of splitting flag is larger than the percentage of splitting flag in a cluster, it means that this cluster is selected as splitted. Otherwise, this cluster is selected as unsplited. Finally, the output of our model is the centers unsplit and split respectively, which are calculated using the grouping of cluster centers. After extracting the centers split and unsplit, which are calculated with the grouping of cluster centers, we calculate our thresholds for each model by the following formula. So the decision of splitting the depth coding unit is defined as follow. This is the unsplit and split process executed in this condition. The selected threshold is dependent on size and quantization parameter. Size takes these following values, and quantization parameter is recommended by the common test condition. As we see, the following or the value of thresholds is dependent on sizes and quantization parameter. If the variance is smaller than a selected threshold, then the coding unit will be coded with the current size. That means that unsplit process will be executed. On the other hand, if the variance is larger than the selected threshold, the coding unit will be split into a smaller size. That means that the split process will be continued. After extracting the threshold and fixing the proposed method, we execute our proposed approach in reference software HTM16.2. The result tested on seven sequences recommended by GCT3V group, which are Balloons, Kindle, and Newspaper with smaller resolution, and GTFly, Poznan Hall, Undo Dancer, and Shark with large resolution. All the experimental results are established under the common test condition CTC recommended by GCT3V. There are three texture views and three depth maps associated. The pair quantization parameters for texture and depth map are as follows. In this table, we present the performance of the fast CO-size decision algorithm and comparing our approach with the related works in DeepMap 3D HEVC. We evaluate our proposed algorithm regarding the Bijon-Tegar delta rate, BD-BR, and the time saving, which is the comparison between the original HTM and our proposed. As can be seen from this table, that the proposed approach can achieve a considerable time saving and for depth map views, and it can hold a similar performance for altered sequences. The proposed algorithm can reduce the encoding time from 17 to 22, as shown here, and 19 on average, compared to the original HTM 16.2, which is better than 16 in first related work and 19 in second related work. Furthermore, it presents an average bitrate increase of 0.09, which is also less than 0.22 and 0.41 in compared related works. So the proposed fast depth CO-size decision algorithm is more robust compared to these works and can avoid the extra computational time due to the splitting process in 3D HEVC. To conclude, we summarize the steps which are following in this work. First, we propose a fast algorithm to reduce the complexity in 3D HEVC encoder. The proposed algorithm based on depth map homogeneity defined by variance as in extracted features.
Then we adopt a mean shift clustering algorithm to create a CU-size model for depth map coding. Based on this model, we can extract adaptive thresholds for each depth level and execute our proposed approach. That's all for this presentation. Thank you for all attention, and all questions are welcome. Thank you. Alors, merci, mademoiselle. Je crois, mademoiselle Siham Koury. Alors, merci pour votre présentation qui était claire, concise. Plus d'explications, vous avez bien présenté votre sujet, votre article. Maintenant, on passe la parole à ces questions. Monsieur Sabri? Oui, Soudi Abdrahim. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation? Juste pour les participants, si vous voulez prendre la parole et poser des questions, donc il y a un bouton en bas qui est réaction, qui permet de lever la main et ça va aider le chair pour vous donner la parole. D'accord. Donc pour de ma part, je tiens à féliciter Siham Bakouli pour la présentation, pour la clarté de son exposé. J'ai quelques questions ou bien remarques. Donc, la première question, c'est que je vais commencer par la fin. Dans la partie études comparatives ou bien comparaison, oui, je pense qu'il fallait introduire d'autres approches, donc d'autres approches de référence. D'accord. Deuxième question, pourquoi vous avez choisi juste un seul type de caractéristique qui est basé sur la variance? D'accord. Et troisième remarque, ce n'est pas une question, c'est que j'ai remarqué que vous avez donné des détails que je vois de mon côté non nécessaires sur l'algorithme MinShift, parce que c'est un algorithme très connu, très utilisé, donc ce n'est pas la peine de... C'est-à-dire il fallait juste signaler qu'on a travaillé avec le MinShift et donner quelques... s'il y a des modifications à apporter sur l'algorithme. Ainsi de suite. Oui. Donc à vous la parole. Merci. Ok, monsieur le professeur. Et donc, à vous, mademoiselle. Tout d'abord, je vous remercie pour votre intervention et votre question. Bon, pour la première question, par rapport à la comparaison entre les autres méthodes, il y a, dans le monde inter, il n'y a pas des méthodes, des approches ou des articles publiés dans cette area. Donc, il y a seulement des méthodes, des articles limités, spécialement en depth map. C'est pour ça que j'ai pas trouvé une grande boîte de works pour comparer notre méthode. D'accord. Pour la deuxième question, je crois, à propos. C'était pour le choix de caractéristiques, c'est-à-dire basé sur la variance. Ah oui, oui, pour le choix de caractéristiques, quand on sait que la variance est très très robuste pour déterminer l'homogénéité des blocs ou des images, on a déjà travaillé avec d'autres features et on a comparé le résultat avec la variance. La variance reste toujours la meilleure feature pour déterminer l'homogénéité des blocs ou des images par rapport à les autres méthodes. Parce qu'on a basé ici par plusieurs analyses et plusieurs exécutions à ce terme-là. D'accord. Donc, merci. Alors, merci, mademoiselle. C'est vrai. Donc, ça va. Vous n'avez pas d'autres questions? C'est bon. C'est clair. C'est bon. Donc, j'ai quelques questions, si vous voulez. Alors, je me rejoins, M. Sabri, sur les articles que vous avez adaptés pour comparer votre travail. Alors, je vois des articles qui sont publiés en 2018-2017. Alors, vous voyez, lorsqu'on veut comparer un travail, on veut donner
valoriser notre travail, on doit comparer avec des articles récemment publiés, c'est-à-dire en 2019, 2020, pourquoi 2020. Ça marche. Oui, merci pour cette remarque. Des articles récemment publiés. Donc, si vous voulez valoriser votre littérature. Oui. Alors, une autre question très importante. Donc, vous avez bien sûr présenté un algorithme que je vois, c'est un algorithme très important, malgré qu'elle nécessite un peu d'amélioration, etc. Mais vous n'avez pas discuté la complexité, parce que la complexité, c'est un facteur aussi qui influence sur la robustesse de votre travail. Est-ce que vous pouvez me donner une idée sur la complexité de votre algorithme? Ça marche? D'accord. Oui, merci. Concernant la première question, oui. Justement, il y a des articles qui sont publiés récemment dans 3DHEVC, mais je ne peux pas comparer mes résultats qui concernaient interprédiction en 3DHEVC pour DeepMap seulement. Je ne peux pas comparer avec l'intra, je ne peux pas comparer avec texture. Pourquoi cette contrainte? Pourquoi cette contrainte? Parce que ne sont pas la même configuration. La configuration ici utilisée ici est random access. Random access, c'est pour l'inter. Alors, intra, c'est pour intra. Donc, je ne peux pas comparer deux approches qui ne sont pas exécutées de même configuration. Voilà. D'accord, c'est pas grave. Donc, si vous voulez améliorer votre article, il faut bien sûr passer à d'autres articles récemment publiés. Comme ça, vous allez valoriser votre travail. Oui. Alors, passez à la deuxième question, c'est la complexité de votre algorithme. Bon, concernant la complexité de l'algorithme en général de 3DHEVC ou de proposer? Proposer, bien sûr. On discute l'algorithme que vous avez proposé. J'arrive pas à comprendre votre question. Est-ce que, c'est-à-dire... Je vais formuler ma question. Temps d'exécution. Oui. Le temps d'exécution. Parce que là, la complexité, il faut donner des équations comme ça en fonction de temps et de base de données que vous avez utilisées. Mais concernant le temps d'exécution, est-ce que vous avez discuté le temps? Parce que c'est un facteur aussi qui influence sur la robustesse de votre travail. Oui, quand vous voyez dans ce tableau, j'ai cité la time saving ou le temps que j'ai réduit dans le HTM ou dans mon original. La 3DHEVC encodeur. J'ai sauvé 19% de temps réel de l'original HTM. Alors, ça va me pousser à la troisième question. Oui. Bien sûr, vous avez présenté des figures comme ça et un tableau que vous avez discuté qui est affiché sur votre slide. Alors, bien sûr, vous avez affiché des résultats et vous avez dit que votre résultat est mieux que les autres. Mais vous n'avez pas justifié ça scientifiquement. À cause de quoi? Pourquoi votre approche est mieux que les autres? Il faut bien sûr traiter ça scientifiquement. Il ne faut pas lire ce qu'il y a trouvé dans les résultats. Il faut traiter ça d'une manière scientifique. D'accord. Oui, justement. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez réfléchi à ça, à faire ça? Oui, c'est pour ça qu'on a fait une amélioration de cette partie exacte. Dans les autres articles, on ne fait pas les améliorations dans les splitting des coding units. Dans le splitting de coding units, prend le temps d'exécution à peu près de 50% dans l'inter. Donc pourquoi pas, j'ai pas. Par rapport aux autres modes, par rapport aux autres configurations en inter. 50%, pourquoi je n'ai pas fait une amélioration dans cette partie pour trouver une réduction plus que les autres articles. D'accord. Alors, merci pour vos réponses qui sont très claires. Alors, Sirbaré, on va passer à la deuxième présentation. Oui, s'il n'y a pas de questions, on passe à... C'est ça. Donc, merci, Sihan Bakouri. Donc, arrêtez le partage, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Merci à vous. Et Mohamed Amin Tahiri, tu commences. Je crois le deuxième article. D'accord.
Mohamed Amin Tahiri. À vous la parole. Mohamed Amin Tahiri. L'article 152. Oui, je suis avec monsieur. Je peux commencer si vous voulez. Oui, oui, à vous la parole, monsieur, à vous la parole. Entre 10 et 15 minutes pour présenter. Oui, oui, monsieur. Oui, merci. Good afternoon, everyone. Mr. Chairman, in this meeting, I will talk about research intitulated the stable computation of the Hund polynomial for the high polynomial order. In this work, we propose a new algorithm for computing Hund polynomial coefficient for the high polynomial order. So after an introduction, in the second section, the orthogonal discrete Hund polynomial are presented. The third section reveals the proposed algorithm. In the fourth section, we are going to present an experimental studies to evaluate the proposed algorithm. And finally, we tackle the conclusion. So due to their compact image representation, moment approaches have become very common in 2D image processing. This approach can be used in the several fields, such as face recognition, the 3D object recognition, edge detection, and image watermarking. Historically, you performed the first significant work considering the geometrical moment. These last are not orthogonal, so many experts are led to continuous moments such as Legend, Zenek, and Fourier-Melanon in order to solve these problems. On the other hand, they are defined on continuous domains, which requires discretization. So in order to compute them for a digital image, considerable attention has been paid to the discrete orthogonal moments, since they have the properties of robustness against noise, such as Chebyshev, Kravchov, Mixner, and Han. So in this study, we will focus on the Hund polynomial. In the first, we are going to present the theoretical framework of the orthogonal discrete Hund polynomial. The nth Hund polynomial is presented through using the following hypergeometric function. So the weight Hund polynomial are given by this function. So to calculate the weight Hund polynomial using this equation take a lot of time and induce a numerical change in polynomial values. So to solve this problem, many research use the recursive formula. So the recurrence algorithm can be used in two n direction and x direction. The two algorithms are seen in the following. So the recurrence relation with respect to the order n is given by this equation, with the initial values for the above recurrence relation are given by two equation. So the recurrence relation with respect to the variable x are given by this equation, with the initial values are given by these two equation. So to solve the, to assess the for efficiency for great order of the recurrence relation, we used a number of plot 2D and 3D. So we are going to handle the case of A equal B equals zero to compute the Hund polynomial coefficient. So from the case of Chebyshev, the polynomial Chebyshev, we can guess that the part of the ANOVA shape are reflect the Hund polynomial coefficient distribution. On the other hand, when the n equal 273 for the first case and 312 for the second case,
it can be seen that the value of the Hamm polynomial coefficient approaches zero. In order to calculate the values for the large order, so motivated for the discrete orthogonal Hamm moments in resolving this problem. In this section, a new algorithm to compute the Hamm polynomial coefficient for the high polynomial order based on the integration of recurrence relation with respect to the order n and the recurrence relation with respect to the variable x and the symmetry property. So the theoretical calculation of the proposed algorithm will be as follows. So in the first, we calculate the initial values. In the second, we compute the rest values of the first quarter should be using the relation recurrence with respect to the variable x. In the step three, we compute the Hamm polynomial coefficient values in the range using the recurrence relation with respect to the order n. Step four, we compute the Hamm polynomial coefficient values in the range using the recurrence relation with respect the variable x. And finally, we compute the coefficient values for the second half of the polynomial array using the symmetry condition property. So we can conclude that the recursive method is numerically unstable, while the proposed method maintains the numerical stability up to the maximum order, 1000, for the case of a equal b equal 0, and for a equal b equal 10. In this section, we proved experimental result to validate the theoretical framework developed in the preceding section. So it can be noted that from moment order 275, the MS and the PSNR curves diverge using the recursive method with respect to the variable x. Contrary, the proposed algorithm which maintains the stability. So we can deduce the same thing in the case of the A equal B equal 10, that from a moment order 316, the curve diverges using the recursion method with respect to the variable x, contrary to the proposed algorithm which maintains the stability. In this figure illustrates a set of reconstructed image by two previous methods for the moment order up to the 1000. It should also be noted that from the moment order 300 onward, in the case of a equal b equal 0, and 400 for in the case of e equal b equal 0, the recursive method is numerically unstable, while the proposed method maintains the numerical stability of the reconstructed image up to the maximum order 1000. So in this paper, we propose a new algorithm to compute the Hamm polynomial coefficient of the high order. The proposed methodology is based on two classical algorithms, which consist of the n direction and the x direction recurrence algorithm and the symmetry condition. Our experimental results illustrate the efficiency and the quality of the 2D image reconstructed in the large size in terms of the numerical stability of the method proposed. And finally, the finding thus encourages us to use this approach to reconstruct and classify the 3D image. And thank you for your attention. Merci à vous aussi, Monsieur Mohamed Tahiri. Donc, je vous remercie aussi sur la clarté de votre question et sur le respect de la durée, donc entre 10 et 13 minutes. Donc, je passe la parole au professeur Sabri. S'il y a, si vous avez des questions, c'est Sabri. Merci, professeur Saïdi.
Donc, je remercie Si Mohamed Amin Tahiri pour la présentation. Donc, j'ai deux questions, pas plus. La première des questions, c'est que, c'est-à-dire l'application des moments implique un temps d'exécution plus élevé. Et là, dans la présentation, on ne voit pas, vous n'avez pas mesuré l'impact de votre application sur le temps de l'exécution. Et à la fin, vous dites qu'on va passer vers le 3D. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire. D'accord ? Deuxième question. Chaque approche a des avantages et des inconvénients ou bien des limitations. D'accord ? Vous n'avez pas signalé ou bien présenté les limites de votre approche, sachant qu'il y a énormément de limitations de telles applications. C'est bon, donc c'est Mohamed. Oui, oui, monsieur. Concernant la première question, monsieur, je pense que l'approche des moments est très efficace dans la reconstruction des images et la classification des images 2D et 3D. Pour cette raison, on espère de passer de appliquer cette approche à les images 3D. Concernant la première question, monsieur, vous pouvez me rappeler. D'accord, donc juste je vais rebondir sur votre réponse parce que c'est donc l'application ou bien l'utilisation des moments, c'est gourmand en temps de calcul et en mémoire. C'est pourquoi je me demande si ça sera bénéfique de les utiliser en 3D. Et la première question, c'est qu'il fallait impliquer ou bien montrer l'impact sur le temps de calcul, c'est-à-dire faire une étude ou bien un DAC sur le temps de calcul de votre application. Monsieur, on n'a pas fait, on a juste concentré sur la reconstruction des images et l'impact de cette approche sur la reconstruction de l'image. Par contre, on n'a pas faire des tests sur sur le temps de calcul lors de l'utilisation de cette approche. C'est ça. D'accord. Mais il fallait le faire. Oui. À mon avis, il fallait le faire. C'est bon, donc, c'est Abdrahim. D'accord, professeur Sabri. Alors, merci à vous. Donc, aussi, j'ai quelques questions sur votre présentation. C'est Mohamed Amin. Alors, donc, si je me déplace sur la partie de référence, je vois qu'il y a des auteurs, je crois un ou deux, parmi c'est Hicham Harmouni, qui a déjà travaillé sur ce sujet et qui a publié des articles dans ce sens. Alors, en termes de contenu, vous n'avez pas cité pareil votre approche avec l'approche de M. Hicham Al-Kharmouni, sachant qu'elle travaille dans le même axe. Donc, il fallait bien de comparer le travail avec quelqu'un de domaine, quelqu'un de sujet, c'est M. Hicham Al-Kharmouni. Et si vous voyez les références, vous allez trouver pas mal d'articles qui sont publiés dans ce sens. Et aussi, Hicham Al-Kharmouni, ma question, pourquoi n'a pas comparé vos approches avec les approches de M. Hicham Al-Kharmouni? Monsieur, on peut dire qu'il y a beaucoup de polynômes. C'est pour comparer le polynôme de Tchebychev, le polynôme de Mitzner, le polynôme de Kraushev. Mais on a choisi de comparer avec l'algorithme de récurrence par rapport à X, juste parce que c'est un algorithme de base. C'est pour cela qu'on a choisi. Oui, c'est vrai que la comparaison, c'est un choix. Mais c'est un choix qu'on doit bien sûr le faire à base de quelque chose logique.
c'est-à-dire soit l'article soit plus référé, soit l'article a beaucoup de citations, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que le choix, c'est personnel. Mais vous devez justifier votre choix quand même, d'accord? Je préfère de comparer votre travail avec les travaux de Hicham Qarmouni, c'est mieux. Parce que c'est un auteur qui est cité parmi les auteurs de votre article qui a déjà des travaux dans ce sens. Alors pourquoi pas pour valoriser notre travail, dire aux autres que nous allons suivre le même axe. Donc il faut comparer le travail avec l'auteur Hicham Qarmouni, d'accord? Oui, monsieur. Oui. D'accord, c'est Amin Taïb. Alors une autre question. Je vois dans votre article que vous avez une seule image dont vous avez utilisé. Oui. Quelle base de données? Vous avez tiré cette image à partir de base de données? Monsieur, je n'ai pas entendu. Vous pouvez me répondre à la question? Quelle base de données vous avez utilisée? Donc, normalement, vous avez utilisé ici, monsieur le plein d'images que vous pouvez utiliser, bien sûr. Donc, le fait d'utiliser une seule image, ça ne marche pas parce qu'une seule image, il faut discuter le taux d'erreur. Donc, la chose que vous n'avez pas discutée, le taux d'erreur de votre approche. Et pour discuter le taux d'erreur, il faut utiliser beaucoup des images. Oui, monsieur. D'accord? Oui. D'accord? Oui. D'accord. Une autre question. Le alpha, je crois ici, vous avez indiqué alpha et bêta. Donc, de alpha bêta est égal à 0 jusqu'à alpha bêta est égal à 10. Est-ce que ça, c'est une contrainte ou autre chose? Pourquoi alpha bêta 0 jusqu'à alpha bêta 10? Pourquoi alpha bêta est égal à 5? Pourquoi vous n'avez pas testé sur alpha bêta est égal à 5? Ça, on peut dire c'est un choix. Je sais que c'est un choix, mais il faut justifier le choix. Oui, pour le a et b est égal à 0, c'est le cas de polynôme de Tchebyshev. Hein? Et pour le cas de a et b est alpha bêta est égal à 10? Alpha bêta est égal à 10, c'est le polynôme de Hahn. Parce que le polynôme entre 0 et 10, c'est une généralisation de tous les polynômes, si on veut le dire. Et entre 0 et 10, n'existe pas. Il existe beaucoup de... Et pourquoi vous n'avez pas testé? Je répète, je sais que l'expérimentation, loi des paramètres, c'est personnel. Mais quand même, il faut justifier ce choix. Le choix de... Des paramètres, bien sûr. D'accord. Pourquoi on a choisi le A est égal à B? C'est parce que... Voilà. Les expériences ont bien déterminé que c'est A différent de B. On ne peut pas appliquer cet algorithme parce qu'on perd la critère de symétrie, si on veut dire, pour les polynômes de Hahn. Alors, pour appliquer cet algorithme, il faut que A est égal à B. Est égal à un nombre, entre moins 1 à 100. D'accord. Mais pour traiter tous les cas, c'est difficile pour nous. Mais pour un article qui sera publié dans un journal, si oui, on pourra traiter tous les cas. D'accord. Et on pourra utiliser plus d'images. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur. Oui, je suis d'accord. Bonsoir. C'est Abdrahim. On vous entend mal. Je sais pas. Est-ce que oui. Personnellement, je vous entends mal. Donc, il y a le son qui... Ça marche. Maintenant, ça marche. C'est bon, oui. D'abord, c'est bien. Ça marche. C'est bien. Donc, trois choses. Il faut étudier les cas possibles sur alpha, bêta. Oui, il faut comparer avec Hicham Qarmouni et il faut utiliser plus d'images. Ça marche, Mohamed? Ça marche.
Ça marche, monsieur. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Oui, donc, je veux remercier. Merci, monsieur. Merci. On va à la présence suivante. Si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres on va demander aux participants s'il y a des questions. Quelqu'un veut d'accord. poser une question? Donc, c'est bon, il n'y a pas de questions. Donc, merci. C'est merci, Amin Tahiri. Merci. Merci à vous aussi. Donc, merci d'arrêter le partage. C'est bon, c'est oui, fait. Oui, monsieur, c'est bon. Donc, on passera à la présentation de Amal Hammoumi. D'accord, mademoiselle Amal Hammoumi. Article 83. D'accord. Donc, à vous la parole. Vous avez entre 10 et 15 minutes, mademoiselle. À vous la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. On vous entend. Oui, très bien. Moi aussi, oui, très bien. D'accord, merci. Donc, hello everyone. First, I would like to express my gratitude to this conference committee. And for now, I will present our work titled Fast Depth Map Intra-Mode Prediction Based on Self-Organizing Map, which is prepared by Hamza Hammoud, a first-year PhD student from LabSiv, Abdelrahman Yousfi, a professor at INSA of Agadir, and me, Amal Hamani, a first-year PhD student from LabSiv at Ibn Zohr University of Agadir. The outline of this presentation is as follows. First, an introduction to put you in the context of our work, then an overview of the 3D HEVC standard, and an overview of the machine learning used in this work, self-organizing map, preceded by the description of our proposed method and the experimental results, finally a conclusion. The growing popularity of 3D video applications, such as 3D movies, Freeview TV, and photostereoscopic displays, has inspired the MPEG and VSEG to form the Joint Collaborative Team on 3D Video Coding, GCT3V, and developed a new 3D video coding standard, 3D HEVC, which is adapted for bringing 3D video for the upcoming real-world applications. And also introduced an alternative 3D video representation, often known as multi-view plus depth NVD data formats that associates a depth map to each texture frame as shown in this example. In the 3D video coding system, the purpose of the NVD utilization is to decrease the bandwidth for the 3D video transfer, where only three textures and their correspondence depth maps are encoded and transmitted in the bitstream. At the receiver side, the use of the depth maps can sensitize the high quality virtual views appropriate for displaying the 3D content on the autostereoscopic using the depth image based rendering DIBR techniques, which permit sensitizing a heavy set of texture views of the scene, and as a result, decrease the number of transmitted texture views. In the basic structure of the 3D video encoder, the base view is coded using a conventional HEVC video coder. For coding the dependent views and the depth data, modified HEVC codecs are used, which are extended by including additional coding tools, taking new techniques into account, such as interview and texture depth prediction as indicated in this figure. In our work, we are focusing on depth map intra prediction, which is a key tool for 3D HEVC standard video compression algorithms. Depth map consists of large homogeneous regions and sharp edges. The conventional HEVC intra prediction is well employed in a homogeneous region, but is ineffective for sharp edges. However, to compress efficiency and better represent depth map characteristics, 3D HEVC maintains the same intra prediction modes as proposed in HEVC standard, 33 intra angular prediction and DC and planar, and also adding new depth intra coding tools called depth modeling modes, DMMs,
which can enhance the prediction of the sharp edges in the depth map intercoding by separating the block into two regions. Two types of separation are defined, namely widgets DMM1 and contours DMM4. In addition, 3D HEVC evaluates the depth map intracoding on a flexible quad tree structure, where one coding tree unit CTU contains 341 prediction units with sizes varying from 64 by 64 down to 4 by 4. The CU concept allows CTU to be split recursively with four equally sized CU with a size range from 64 by 64 down to 8 by 8. After splitting CU, the PU splits itself independently into two types, N by N and 2N by 2N, for intra prediction, as indicated in this figure. In the depth map intra prediction, the rough mode decision, RMD, the most probable modes, MPM, and the DMM processes are applied to HPU to choose the best intra mode using RDO cost calculation. In the RMD process, all 35 conventional intra prediction modes are evaluated using the sum of the absolute transform differences SITD, and only N modes with lowest SITD are added to RDO list. In MPM process, three modes are added to the full RDO list. Finally, the DMM process add the two modes to the RDO cost list if the first mode in RDO list is not planar and the PU variance is higher than a predefined threshold. In this table, we present the analysis for the depth map in 3D HEVC intracoding for one CTU. We can notice from the RDO cost total number that the computational complexity is very high. That's why it's much required to establish a very low complexity depth map intracoding decision for 3D HEVC that reduces the computational complexity significantly with insignificant coding efficiency loss. Our work proposed a new fast depth map intra prediction to skip unnecessary depth map intra modes for each prediction unit based on a self-organizing algorithm and efficient features. The machine learning used in our work is self-organizing map or Kohonen algorithm. The basic idea underlying what is called competitive learning is as follows. At the beginning of the learning algorithm, a set of examples x, y, such that x is the input feature vector and y representing its label. The input feature vector was taken from a learning set beta, where this set contains cardinal beta vectors. Consider a network W of M neurons. Each neuron is characterized by a weight vector Wij, where Ij is the index of the neuron and Yijw its label. Considering an input feature vector X, the neuron for which the quadratic distance is minimal is called the winning neuron. We will note Oij, the output of neurons Ij. The training algorithm used in this work is described as follows. First of all, initialize all weight vectors of the map. For the first iteration, t equal to 0. For the first input, n equal to 1. Present the input vector xy from beta. Compute the output Oij. Determine the winning neuron with the lowest Oij, then update the weight of all Weij of W with the following equation. Update the label of the winning neuron and process to the next input and go to 4 if n lower or equal to cardinal beta. Finally, we repeat this process from 3 to 9 for t iterations.
For the extraction of the features that present the PE homogeneity, we select three efficient features. First, the amplitude of simplified mass center vector, ASMCV, computed as follow. The global variance computed for the whole block with the following equation, where H is the size of the current PE. And finally, the local variance, which is computed as the average of the variance of each pixel using a mask of size 3 by 3. Consider that the global variance gives the global homogeneity of the block and the local variance gives the local homogeneity of the block. Our proposed method is as follows. We construct our training data from the sequence Love Breed. We extract only depth maps frames, 240 frames. We compute for HPE the features ASMCV, global variance, and local variance, and the group mode as its label. The group mode can be 0 for DC and planar, 1 for the from 2 to 34 intra-angular modes, and 2 for DMMs. We execute the training process in offline with a Kahonin map of 9 neurons and the number of iterations set to 100. Only the result of the training process will be implemented in the 3D HEVC encoder for the testing process. In our testing process, we compute all features for HPE, then we determine the winning neuron and get its label, the group mode. If the group mode equals to 0, we evaluate only DC and planar. If it is equal to 1, we evaluate only 2 to 34 intra-angular modes. If it is equal to 2, we evaluate only DMMs. For the experimental results, the coding performance evaluation is based on time reduction and Bijan grade metrics of sensitized view. The proposed algorithm is implemented and compared with the HTM 16.3 reference software and 6 recent related works. The coding experiments were done under the common testing condition sequences with different resolution, newspaper, balloons, and Kindle, as well as GTFly. 4 quantization parameters for coding textures and for depth map, and all intra configuration. According to the results exposed in this table, the proposed method decreases the encoding complexity for all sequences in a significant way, with negligible loss of race distortion performance. As shown in this table, the method reaches 39.8% in time saving with only 0.26% increases in BGBR. And in comparison with the recent rated work, our method surpasses on average all the results reported in this related work. From the RD curves of the proposed method for 3 sequences, balloons, Kindle, and GTFly, we can notice that the rate distortion performance of our proposed method is about the same as that of the 3D HEVC reference software HTM 16.3 from low to high bitrate. Also, for the time-saving curves of the proposed method for 3 sequences, balloons, Kindle, and GTFly, the proposed algorithm increases the time-saving for every QP value as indicated in this curve. As a conclusion, our work developed a fast intra-mode selection for depth map intra-coding based on the self-organizing map training algorithm using an efficient homogeneity features where the purpose is to reduce the computational complexity significantly. The experimental result shows that the developed algorithm decreases the depth map intra-coding complexity significantly by 39.8% with negligible performance losses. And this is the end of our presentation. Thank you for your attention.
Merci à vous, mademoiselle Amal Moumi, donc sur la clarté de votre présentation. Donc, je passe la main au professeur Sabri. Si vous avez des questions, professeur Sabri. Merci, professeur Saïdi. J'aimerais bien personnellement que des participants posent des questions. Donc, ça ne doit pas se limiter à nous deux. Donc, j'aimerais bien voir des questions des participants. Oui, effectivement. Si vous avez des... C'est l'occasion. Pour plus d'animation, etc. D'échanger, c'est ça? D'échanger de... D'échange. Voilà. D'accord. Donc, je tiens à féliciter donc, Amal Hamani pour la présentation, pour la clarté. Donc, c'était simple, pédagogique, très clair. Donc là, je dirais la seule question, c'est pourquoi ne pas avoir donné plus d'importance aux algorithmes d'apprentissage automatique? Parce que j'ai vu que vous les avez utilisés, mais plus ou moins vous avez essayé de les cacher. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas donné beaucoup d'importance à cette partie-là. Pardon? Oui, Amal, tu m'entends? Oui. C'est quoi encore votre question? Donc, je disais que pourquoi ne pas avoir donné beaucoup plus d'importance sur l'apprentissage automatique? C'est-à-dire que j'ai remarqué que vous êtes à l'aise dans votre thématique. C'est la thématique du professeur Abdelrahman Youssefi. Oui. D'accord? Que je connais très bien. Je sais très bien la qualité de ses travaux, de son encadrement, et ça se voit que ça soit dans la partie rédaction du papier et la présentation. Mais vous avez essayé d'utiliser donc de l'apprentissage automatique, mais j'ai remarqué que cette utilisation, elle est un peu timide. Et c'est la question. Pourquoi? Oui, donc merci pour votre commentaire. Donc, pour la question, on a utilisé la machine learning Coronen algorithm parce qu'il donne des meilleurs résultats et il n'est pas encore utilisé dans d'autres travaux dans cette thématique. Donc, il n'est pas utilisé dans ce domaine de 3D HEVC. Donc, c'est pourquoi on a utilisé cette machine learning, parce qu'il donne des meilleurs résultats. La question directe... Par la suite, on peut utiliser d'autres machine learning, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi ne pas... C'est-à-dire, en général, ce qu'on trouve dans les papiers, parce que dans les algorithmes d'apprentissage automatique, ce que, en général, les auteurs font, c'est d'utiliser. C'est-à-dire, on va directement dans la partie... comparaison, surtout quand on maîtrise la thématique. Donc là, il fallait vraiment aller au-delà de cette simple implémentation et choisir, c'est-à-dire s'approfondir et passer vers la partie apprentissage automatique, voire même apprentissage profond. Oui, donc c'est qu'en début, on a utilisé ce algorithme qui est très connu et qu'il donne des meilleurs résultats. Donc, par la suite, on peut utiliser d'autres algorithmes. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui travaillent, c'est-à-dire qui ont déjà essayé d'implémenter l'intelligence artificielle dans vos approches? Non, non. Donc, dans ce que je sais... Ça se voit que... Donc, c'est-à-dire que vous êtes un peu... C'est-à-dire que c'est le démarrage et je suis sûr oui. que vous allez faire de jolies choses. Oui, parce que pour réduire la complexité de l'algorithme de compression, donc on ne peut pas choisir n'importe quel algorithme d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ajouter de la complexité pour réduire la complexité. Ça oui, voilà. Oui, voilà. Il faut chercher le plus simple à implémenter. Je vous comprends, c'est clair. Merci, je te félicite pour le travail. Merci. C'est Abdelrahim. Merci, professeur Sabri. Donc,
le public, est-ce que vous avez des questions? Je vois avec nous Sibrahim Access. Sibrahim, tu es mon temps. Est-ce qu'il y a des questions, Sibrahim? Donc, si Mérie, c'est bon. Donc, si, vous avez... si vous avez des questions, c'est Abdrahim. Bien sûr, j'ai des questions, bien c'est sûr. Tout clair. Tout clair, d'accord. Alors, donc pour l'interprétation des résultats, donc je vois que vous avez donné des figures comme ça, sans interprétation, sans dire pourquoi scientifiquement. Alors, est-ce que les limites pour la conférence, mademoiselle? Oui, pardon, j'ai pas bien entendu. Donc, je vois que vous avez donné des figures comme ça, sans interprétation. Donc, est-ce que vous avez des interprétations, des choses scientifiques à dire pour votre approche, votre travail? Oui? Donc, vous parlez de ces représentations? Toutes les figures. Même, vous avez donné ici des pourcentages. Sans dire scientifiquement pourquoi votre approche elle est mieux que les autres que vous avez affichées. Oui, donc, ça. Donc, dans ce tableau, on a fait une comparaison, oui? Oui, je sais que comparaison, et je sais que vous avez fait seulement des lectures sur ce tableau, pas des lectures, parce que les nombres et les chiffres sont là. Donc, à partir de ce tableau, déduire la qualité de votre travail se déduit à partir de ce tableau. La chose que vous n'avez pas faite, d'accord? Il faut interpréter le tableau et essayer de scientifiquement pourquoi votre approche est mieux que les autres, d'accord? Oui, la deuxième question, d'accord? La deuxième pour le comparaison. Je vois que vous avez 6 articles pour comparer votre travail. Pourquoi ces 6 articles? Est-ce que c'est des articles de référence ou est-ce que obligatoirement on le propose avec ces apps? Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est trop. Oui? Oui. Mademoiselle? Oui, donc je vais commencer par la première question. Pardon, le son se coupe, donc j'entends plus. Donc, la première question était sur l'interprétation des figures. Parce d'accord. Que vous avez affiché les figures comme ça, sans interprétation, mal vue, sur un article dit comme ça. Oui. D'accord. Donc, pour ce tableau qui représente les résultats qu'on a obtenus, donc on a fait une comparaison. Une comparaison avec, premièrement, avec le logiciel de référence HTM 16.3. On a obtenu 39,8% dans la réduction du temps par rapport au logiciel de référence, et on a fait donc dans la performance ou la qualité, on n'a pas perdu beaucoup dans la qualité. Par rapport aux autres travaux, donc on peut remarquer que pour ballon. Donc, si vous voyez pour les... Dans une phrase, mademoiselle, oui? S'il vous plaît. Oui? Dans une phrase, essayez de me donner, par exemple, scientifiquement, pourquoi votre travail est mieux que les 6 articles avec lesquels tu as comparé. Une phrase, oui, deux phrases. Oui, voilà. Donc, parce que notre algorithme est très précis dans la détermination, la précision de notre algorithme. Donc, c'est ça la différence entre notre méthode proposée et les autres méthodes. Donc, c'est un algorithme précis.
si vous le permettez, c'est Abdrahim. Précis par ces paramètres. Amel, les paramètres utilisés, oui. Amel, ce que veut dire c'est Abdrahim, c'est de faire une synthèse. Et oui, vous êtes en première année, je ne sais pas trop si vous êtes capable de le faire. D'accord, mais oui. Il faut oui. voir avec votre encadrant, parce que si on arrive, parce que ce qu'a dit Abdrahim là, c'est ce que un étudiant, un thésard doit être capable de faire, c'est pas à la fin, mais en moitié de parcours, c'est d'identifier les avantages et les inconvénients de son approche vis-à-vis des autres, c'est-à-dire de décortiquer, voir l'approche d'Yeli va marcher fada, mais va être c'est-à-dire va donner moins de résultats que hadak. C'est ce que veut dire c'est au niveau scientifique oui c'est ça, ça c'est oui, ça c'est donc, ça. Oui, c'est donc ça. Je crois que pour notre méthode la précision dans le choix des modes. Donc, par exemple, quand la décision de trouver un mode, le best mode, on a utilisé un algorithme qui fait un choix précis. Donc, si le choix est 1, il va choisir juste le décès et planal. Si le choix est 1, il va choisir un nombre précis de modes. Et si le choix est 2, il va choisir juste il va évaluer juste les deux modes. Donc, on a minimisé le nombre des modes choisis. Donc, D'accord, mademoiselle Amel. Donc, il faut apprendre, donc, dorénavant, puisqu'en première année, oui. vous êtes en première année, donc, la recherche, c'est pas uniquement de présenter les résultats. Il faut ajouter à ça l'interprétation. Et à mon avis, l'interprétation est mieux que la présentation des résultats. Ça marche, Amel? Oui. Ça marche? Oui. Les références. Donc, je vois que les références, c'est avant 2018. Aucune référence de 2019, non, 2020. Donc, il y a une référence, donc il faut une référence de 2019. Référence. Oui, la dernière. Je crois une seule référence. Une seule, oui. je crois. Une seule. Donc, il faut baser sur les dernières références. Voilà. La dernière référence. Voilà, je sais. Je crois de votre encadrant, je crois. Oui. Donc, il faut baser sur des articles récemment publiés. J'ai déjà dit ça pour valoriser votre travail. Ça marche. Alors, il y a une petite remarque sur votre algorithme. C'est que dans la dernière étape, vous avez signalé que T minuscule inférieur à T majuscule. Vous n'avez pas indiqué c'est quoi majuscule. Vous pouvez revenir à votre... soit sur votre article. Donc, j'ai vu ça sur votre article. Voilà. Ici. Elle est dans la partie 10. L'étape 10. Voilà, l'étape 10. Le T est inférieur. T reçoit T plus 1 à T majuscule. C'est quoi le T majuscule? Vous n'avez pas indiqué, c'est même dans l'article. Même dans l'article. Il n'est pas exprimé. Il est indiqué ici dans le nombre des itérations. Donc, le nombre des itérations qu'on va... ça marche, mais dans l'article, vous n'avez pas indiqué ça, je crois. Il est indiqué dans l'article. Je n'ai pas vu. Donc, il faut mentionner, donc il faut exprimer le T. Et pourquoi le 100 exactement? Est-ce que c'est un choix comme ça, au hasard? Ou il est basé sur des choses, je ne sais pas quoi. Le T est égal à 100. Donc, pour le choix de T, on a fait pour 25, pour 50 et pour 100. Pour 100 et 50, et 1000, on a trouvé qu'ils donnent les mêmes résultats. Donc, elles convergent vers les mêmes résultats. Donc, on a choisi 100. Ça va, mademoiselle Amel. Alors, dorénavant, puisque vous êtes en première année, oui. n'importe quel choix, le choix, il faut le justifier. Oui, d'accord, scientifiquement. Oui. D'accord. Donc, merci, mademoiselle Amel, pour votre présentation. C'est vrai. Donc, est-ce qu'on doit passer à notre présentation ou il y a d'autres questions? Professeur Sadraï?
Professeur. Oui. Je parlais alors que le micro est désactivé. D'accord. D'accord. Donc merci Saad Rahim, merci Amal Mané pour la présentation. Et on te souhaite une très bonne continuation par la suite. Merci beaucoup. Donc merci d'arrêter le partage pour laisser la main à la présentation suivante. Saad Rahim. D'accord. Donc on passera. Merci professeur Sabri. Donc on passera à la quatrième présentation, si par mademoiselle Wafa Mrabtey. Donc, à vous la parole, mademoiselle Wafa Mrabtey. Donc, vous avez entre 10 et 15 minutes pour votre travail. D'accord? À vous la parole. Vous m'entendez déjà? Oui, oui. Ça marche pour moi. Ça marche. Hello everyone, my name is Wafa Mrabtey. I'm currently a PhD student in image processing at the Talim Health Faculty in Fez in collaboration with National School of Applied Sciences in Israel. I'm actually supervised by Professor Hamid Tahiri and Professor Melissa Diaz. So the topic of my paper, as you see, is tracking human being via the gray local dissimilarity map. So we can break this area down into the following phase. First of all, I will give you a narrow view of the tracking and its numerous applications. Second, we will describe the proposed method of tracking human being via the gray local dissimilarity map. Next, we will take a look at the experiment results. We will conclude with our conclusion and give some perspective. All right, we could start by looking at the context of our work. Visual tracking is one of the richest areas in computer vision. Its focus is to estimate the location of the moving objects in the consecutive frames of the image sequence. It plays a crucial role in several video surveillance applications to ensure the security of the people in indoor and outdoor environments, such as human motion interaction, video surveillance, automatic driving, security, and many others. Most of the tracking algorithms are based on two main steps, which are the motion model, which predicts the likely motions of the target and the objects corresponding, which is considered as the most important component because of its crucial role in finding the similar object to the target, taking into consideration the several issues that a target may undergo. About the first component of the tracking system, which is the motion model, the most used algorithms are you have camera filter and the particle filter. The second component of the tracking process, which is the corresponding component, could be classified into three different categories. The first one is the classical method that consists on characterizing the image by descriptors and then classify them. Désolé, Mrabtey Wafa. Oui. On vous entend mal. Bon. On vous entend mal, donc je ne sais pas s'il y a un problème avec le micro. Donc, je fais quoi? Je refais et maintenant vous m'entendez? C'est vrai, pour moi ça marche. D'accord, mais. Je continue ou je refais? Oui, là, tu continues. Continue. D'accord. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Pour moi, ça marche. C'est bon, très bien. Ok. Je refais ce slide. The second component of tracking process, which is the corresponding component, could be classified into three categories. The first one is the classical method that consists on characterizing the image by descriptors and then classify them. But the drawback of this one is that the classifier depends on the output of the descriptors, saying that if the descriptor is not strong enough for characterizing the whole form of that an image could have, different image could be represented by the same descriptors. One more that similar images could be represented by different descriptors. An alternative to the classical method, the one which is based on classification of descriptors, is the adoption of dissimilarity measure. On one hand, this one could be classified, could be applied on descriptors of the given images. On the other hand, the dissimilarity measure could also be applied directly on raw image data. Several researchers estimated that that the concept of using the measure of dissimilarity on raw data is more effective than the one based on the extraction of characteristics. The
The objective of human tracking in video surveillance is to ensure the security, to alleviate the workload of the operator and the centralized surveillance monitors, speed up the secure and detection of malicious activities. Depending on the environment of application, tracking algorithms could face diverse kinds of issues, such as we have partial occlusion, thermal images, scale variation, illumination changes, multi-moving people, and so on. Now we will move to the proposed method, which is based on the aggregation of the gray local dissimilarity map, which is a dissimilarity mirror that we will clarify later, and the well-known predictive camera feature. First, we start with the pre-processing phase of the sequence. This phase involves decomposing the sequence of images into structure, the texture, areas, in order to reduce noise. Then we convert the RGB images to HSV lines, then to gray level. The conversion in HSV has contributed to consolidate the image data against the illumination changes. After that, we initialize the target in the first frame of the image sequence manually. The extracted target in the first frame will be used as a model during the whole tracking process without updating it. From the location of the extracted target to predict the position of the target in the next frame using the prediction phase of the Kalman feature. So around this predicted position, we generate 50 candidates. Then we use the gray local dissimilarity map in order to elect the most similar image to the target among that 50 candidates generated during each frame of the image sequence. So the most similar image of the model image to the model image is the one with a minimal norm of LDM, which is the local dissimilarity map. Finally, the position of the elected image is considered as an observation, which is zero to the collection phase of Kalman feature. These steps are repeated iteratively until the end of the image sequence. As we just said, we have used like the Kalman feature in the motion model, which is the first model, the first component of our tracker. This one includes two main steps, which are like prediction step and correction step. The prediction step is responsible for estimating the position of the object in the next frame, and the correction step is for the feedback. The prediction and the correction are executed recursively until the end of the measurement. And as we mentioned before, we have used the LDM in the corresponding model of our tracker. The LDM is a measure that allows well-defined extraction of local dissimilarities between two images and then store them in a map. The more the distance between two images tend towards zero, the more two images are similar. As we can see in this chart, we have the image model, which is the target, and the n images candidates that we fixed into 50. Our purpose is to have the most similar image to the target. For that, we apply the LGM for each image from the 50 ones and the image model. As a result, we obtain 50 LGM. The smallest LGM corresponds to the most similar image to the target. The LGM has encompassed different applications, including the comparison between binary images, quantifying local dissimilarities for the classification of old painting, localization of tumors, the object recognition for helping blind people, binary comparison between objects, object detection of copy and path, and the index of quality of medical images. The purpose of the proposed method was implemented by Java using OpenCV library and runs under a Core i5 computer with 4G Windows 7 operation system. Now we will talk about, we'll take a look at the experimental results of our proposed method. We performed the test on four different sequences. The sequences depict moving people in different indoor and outdoor scenes with different challenging situations from the widely used data set benchmark. The first sequence that we have here is jogging. Its name is jogging. It contains 307 images with a different occlusion, deformation of the target out of plane rotation. Moreover, the distribution of the texture of the target and the one of the background are similar, like you have the background clutter. And the white box represents the results of our tracking.
as we can see the our trackers succeeded to track the target in the whole images. For the second one, the second data, the second sequence, which is single one, it depicts 351 images with illumination variation, scale variation, occlusion, and out of plane rotation. The third sequence, which is phase oak one, contains 892 images with several occlusions from different sides. And the fourth and final one, which is phase oak two, contain 810 images with illumination changes, different articulation changes, and different occlusion. So after having tested the performance of our method qualitatively and in different situations, we will confirm our results quantitatively using two metrics widely used in the literature, which are the average overlap rate and average center error. We could note that the large value of average overlap rate, which is bigger than 0.5, and a small value of average center error, reflect effective results. Thus, as shown in the table, the obtained value of average overlap rate and average center error confirm that our proposed tracker performs well in the whole sequence. Finally, this quantitative results have confirmed the qualitative results that we have carried out. So as a conclusion, we have presented a tracking algorithm based on two fundamental steps. The first one is the motion model using the Kalman filter. And the second step is the corresponding model, which is based on the local dissimilarity map, ALDM. The proposed system was tested on different sequences that depict real-world challenges. Experiment results demonstrate that our method is able to track the target, a close frame, in different challenging situations, including different occlusions from different sites, illumination changes, rotation, articulation changes, and direction changes. So among the possible perspectives we could combine our tracking results with other state-of-the-art tracking results, and testing the proposed tracking and other image sequences in more challenging aspects. Thank you. Donc, merci, mademoiselle, sur la partie de votre présentation. Alors, professeur Jamal Rifi, est-ce que vous êtes avec nous? Professeur Jamal Rifi, tu m'entends? Jamal, si Jamal? Donc non. Alors, question, mademoiselle Wafa. Alors, vous avez utilisé, bien sûr. Tu m'entends, mademoiselle Wafa? Oui. Ça marche? Oui. Oui. Alors, tu as utilisé une base de données benchmark, d'accord? Ce que je sais sur cette base de données n'est pas récente. Alors, il existe d'autres bases de données, d'accord, qui reflètent la réalité. Des bases de données, c'est-à-dire la base de données doit contenir des images qui reflètent bien sûr tester votre approche. Alors pourquoi le choix de cette base et pourquoi vous n'avez pas testé sur une autre base? D'abord, vous êtes en quelle année de thèse, mademoiselle? Cinquième année. Très bien. Alors, pourquoi vous avez choisi cette base? C'est la première question. La deuxième question, pourquoi vous n'avez pas testé sur d'autres bases de données? Ou est-ce que c'est déjà fait? Vous avez testé sur d'autres bases de données, sur d'autres articles, bien sûr, que vous avez publiés. Donc, voilà, il y a deux questions. Pourquoi le choix de la base de données? Et pourquoi vous n'avez pas utilisé, testé sur une autre base de données mieux que benchmark? Merci, monsieur, pour votre question. Donc, pourquoi j'ai choisi la base de données benchmark? C'est bien vrai qu'elle est ancienne et n'est pas du tout nouvelle. Mais notre choix revient surtout au challenge qu'elle contient. C'est vrai qu'elle est ancienne, mais elle est toujours utilisée dans les articles qui seront publiés en 2020. Elle est toujours utilisée dans le domaine du suivi de mouvement. Dans le domaine du suivi de mouvement. À mon avis, à notre avis, on croit réellement qu'il est soi-disant la meilleure pour le suivi de mouvement. Benchmark, la meilleure base de données. Pour le suivi de mouvement, monsieur.
pour tester le suivi de mouvement d'une seule personne. Voilà. Donc, nous avons des contraintes. Nous sommes en train de suivre une personne, pas un autre objet. Et en plus, une seule personne qui est en mouvement. Nous avons une seule cible. Pas beaucoup de personnes en mouvement, pas beaucoup d'objets. Donc, à côté de ça, nous avons testé sur d'autres bases de données. Nous avons fait plus de quarantaine de tests, d'accord, donc, sur plusieurs bases de données qui sont disponibles sur Internet. D'accord, c'est votre avis? Oui, c'est mon avis, à ma connaissance. D'accord, donc à mon avis, donc, vous devez comparer, donc tester votre approche ou les approches qui viennent par la suite sur d'autres bases de données, comme ça, favoriser votre travail. Ça va, mademoiselle Wafa? Oui, merci beaucoup. Alors, une autre question. Oui. Donc, est-ce que votre article est bien organisé? Parce que je sais votre encadrant, Si Hamid Tahiri, je sais la qualité de Si Hamid. Alors, mais ça n'empêche pas de poser certaines questions pour, bien sûr, enrichir le travail, bien sûr, si vous voulez dire. Alors, vous avez, bien sûr, utilisé 4 séquences. Alors, est-ce que ces 4 séquences sont bien choisies pour tester la qualité de votre approche ou ils sont choisis comme ça, au hasard, sans contrainte, d'accord? Donc, s'ils sont choisis comme ça, donc à mon avis, il faut poser certaines contraintes pour choisir les quatre séquences. Pourquoi? Parce que les 4 séquences vont influencer sur votre approche. C'est elles qui vont dire est-ce que votre approche ça marche ou ça marche pas. D'accord? Donc, est-ce que vous avez posé des contraintes sur lesquelles vous avez choisi les 4 séquences? Ou sont choisis comme ça, au hasard, dans la base de données? Si on se pose votre question, en effet, on ne les a pas choisis au hasard. Nos choix étaient selon les contraintes que chaque séquence d'image contient. Par exemple, nous avons ici la séquence jogging. Elle contient des contraintes qui sont difficiles pour un système de suivi. Par exemple, nous avons ici la contrainte qui est la plus difficile ici. Nous avons l'occlusion, on pense en premier temps avec et le background class. Alors, nous avons la distribution de la texture de la cible est similaire à l'arrière-plan. Et pour la deuxième, celle-là, je la considère comme étant la plus difficile parce que plusieurs systèmes de suivi. Donc, ça va, mademoiselle Amal. Oui. Ça va. Donc, vous avez choisi les séquences à la base, à partir d'une base logique. Donc, exactement. À partir de certains critères sur les séquences. D'accord? Oui. Donc, avant de terminer mes questions, je vois que si Jamal est avec nous. Oui. Donc, tu m'entends, si Jamal? Tu m'entends, oui, ça va? Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je viens de joindre, d'accord. Là. D'accord. Donc j'ai une petite question concernant le. D'accord. Oui. D'accord, je félicite bien sûr. Je sais bien normalement que mademoiselle Wafa fournit toujours des efforts dans notre laboratoire. D'accord, je la connais bien. D'accord, donc, mais une petite question, d'accord, je voudrais la poser concernant le temps de calcul. Est-ce qu'il n'a pas posé un problème, d'accord, lors de suivi? D'accord, lorsqu'on parle de suivi, donc on parle bien sûr de cette question de real time, ça veut dire en online, d'accord, on voudrait faire le suivi en real time. Mais je vois que, d'accord, la méthode, d'accord, je suppose que la méthode nécessite un peu de temps, d'accord. Est-ce que mademoiselle Wafa pourra nous donner des explications concernant ce point-là. Et merci. Merci, monsieur, pour votre question. Monsieur, dans un premier temps, pour le temps de calcul, nous avons eu les résultats en temps réel. Ça d'un côté. D'un autre côté, ce que nous avons comparé concernant le temps d'exécution, on a comparé ces résultats avec les résultats du suivi où on a utilisé la classification. D'accord, basé sur les descripteurs, à la place de la carte de dissimilarité locale, on a conclu qu'en utilisant cette carte de dissimilarité locale, nous avons un temps de calcul qui est beaucoup qui est moins que lorsqu'on utilise la classification, beaucoup moins. C'est bien
Donc, on pourrait l'adopter comme étant une solution en real time, ou bien il n'a pas abouti à cette, d'accord, à ce seuil-là pour l'adopter, d'accord, dans des solutions pour le suivi, d'accord, en temps réel. À partir des expérimentations que nous avons faites, ce que je peux dire, qu'elle peut être considérée comme étant un système de suivi qui fait le suivi en temps réel, en real time. Mais est-ce que c'est la meilleure ou pas, ça, je ne peux pas répondre parce que on a comparé juste avec la méthode, on a utilisé la classification. D'accord, bon courage. Merci, Saïdi. Merci, Saïdi. Merci, professeur Rifi. Donc, je vois avec nous professeur Access. Il m'a demandé de poser des questions. C'est vrai, ça va? Ça va? Si vous avez des questions, c'est vrai. Parole, Saïm Access, à vous la parole. Donc, vous avez un problème de son, c'est Ibrahim. C'est d'activer le micro. Non. Donc, encore un problème de son. Mademoiselle Wafa? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez un problème? Tu entends la question? Non, pas du tout. La question de professeur Ibrahim Access? Non, je n'ai pas entendu. C'est Ibrahim, il y a toujours un problème de son. Il y a toujours le même problème, c'est Ibrahim. Essayez d'activer le micro, c'est Ibrahim. Non, toujours il y a un problème. On n'entend rien. D'accord. Donc, essaye de poser les questions au message et je vais essayer de poser ta question. Donc, en attendant la question de Sibrahim, donc j'ai terminé. Alors, mademoiselle Wafa, tu m'entends? Ça marche? Oui. Donc, voilà. Donc, le message. Donc, I have a question. Please, before tracking the target. Donc, le message est disparu. Alors, tu pourras m'envoyer la question de nouveau. Donc, the target in the future frame by quoi? By quoi, Sibrahim? By quoi? By quoi? Tu vois le message que nous allons faire sur l'écran? Non, je vais voir. Oui. Non, le message. Voilà. Tu vois le message, Sibrahim? Non, tu as caché le message, Sibrahim. Dear Shane, I have one question. Before tracking the target in the further framework, you have to detect and select the target. D'accord, la question, ça marche? Oui, je l'ai reçue. Je peux répondre? Donc, essayez de répondre sur la question de Sibrahim. Je peux répondre maintenant? Oui. Oui. Par où la parole, mademoiselle Wafa? Merci. Donc, la question, c'était est-ce que nous avons fait l'extraction de la cible, de la target, automatiquement ou manuellement? On l'a fait manuellement. Pourquoi? C'est bien vrai que nous obtenons un système de suivi semi-automatique, nous gagnons beaucoup de choses. D'un côté, on réduit la complexité algorithmique parce que notre objectif, ce n'est pas de détecter, mais plutôt de réussir à suivre la cible tout au long de la séquence d'image. Ça d'un côté. Et d'un autre côté, on est sûr qu'on est en train d'extraire la cible dans la première trame, la bonne cible qu'on cherche. Parce que dans plusieurs séquences, nous avons plusieurs personnes en mouvement. Et ce n'est pas évident de choisir. On pourra avoir des problèmes à ce point-là. Donc, pour s'en sortir, on a extrait manuellement. J'espère que j'ai répondu à la question. Ça marche, Ibrahim? Ça marche? Est-ce qu'on va passer? Thanks. Merci à vous aussi. Donc, il y a deux autres questions, mademoiselle Wafa, pour terminer cette présentation. Oui. Alors, le taux d'erreur de votre approche. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Non. Non. Donc, essayez d'ajouter ça dans votre article, la version suivante. Mm-hmm. Aussi, la comparaison. Est-ce que vous avez comparé l'approche avec les autres dans le domaine? D'accord. Donc, ce que nous avons fait dans la comparaison, c'est
qui est là, il porte sur la carte de dissimilarité au niveau d'écrit. Donc, ce que nous avons fait, on a fait une comparaison entre celle-là et la carte de dissimilarité binaire qui est la base, et avec nos anciens systèmes de suivi basés sur la classification. Pour voir d'accord. Si, D'accord. Une autre question ou un conseil. Donc, essayez de comparer votre approche avec les travaux des étudiants de Tesseur Hamid Tahiri. Je sais bien qu'ils ont déjà fait des articles dans ce sens. Alors, je sais que ce sont des articles de qualité. Alors, essayez de comparer avec les articles de votre laboratoire. D'accord, mademoiselle Wafa? D'accord, je vais le faire. Donc, merci à vous. Donc, donc, s'il vous plaît, cliquez sur partager. Donc, laissez les autres à partager l'écran. D'accord. Donc, on passera à la cinquième présentation. À la cinquième présentation, je crois, Mohamed Liamani. Mohamed Liamani, il est là. Mohamed Liamani. Oui, monsieur. Donc, d'accord. Donc, si Mohamed, vous avez près de 15 minutes pour présenter votre travail. À vous, Stéphanie. Oui, merci, monsieur le président. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier les membres du comité d'avoir organisé cette conférence. Ce travail est intitulé Color Stereo Imager Watermarking Using Caoutchouc Radial Chebyshev Moment. Ce travail a été effectué au sein du laboratoire d'électronique, signaux systèmes et d'informatique sous la direction de M. Mohamed Sioui et de M. Hassan Khjida. L'objectif de ce travail est de montrer comment les droits d'auteur des images stéréo couleurs peuvent être protégés en utilisant la théorie des moments quaternions. Le plan de ce travail commence par une petite introduction sur la vision stéréoscopique. Puis, une présentation des moments quaternions radio de Chebyshev. Ensuite, nous présenterons le schéma de zéro tatouage proposé pour protéger ce type d'images en utilisant ces moments. Ensuite, nous discuterons les résultats expérimentaux. Et finalement, pour terminer, nous allons dresser une conclusion ainsi que des perspectives. Généralement, la stéréoscopique est l'ensemble des techniques mises en œuvre pour reproduire une perception du relief à partir de deux images planes. Une image stéréoscopique est composée de deux vues, dites gauche et droite, comme cette figure montre. Ce type d'image est réalisé par deux capteurs optiques prenant la même scène à partir de deux points de vue légèrement distants, mais impérativement à la même hauteur et à la même distance que la scène. Ces deux vues peuvent alors être présentées au spectateur de manière que la vue gauche soit vue uniquement par l'œil gauche et la vue droite par l'œil droit pour donner un effet de relief. C'est avec le même principe le système visuel humain fonctionne. Les images stéréo couleur, comme tous autres contenus multimédia, sont faciles à copier et à modifier, ce qui porte gravement aux droits d'auteur de ce type d'image. Par conséquent, la protection des droits d'auteur de ce type d'image reste un problème à résoudre. Cependant, la plupart des travaux existants dans la littérature concernant la protection des droits d'auteur sont développés seulement pour les images monoscopique. Dans ce cadre, nous allons proposer dans ce travail un schéma de zéro tatouage pour la protection d'images stéréo couleur en utilisant les moments quaternions radio de Chebyshev pour la première fois. Ce schéma profite l'invariance de ces moments pour améliorer la robustesse de notre schéma contre des vers attaques et profite aussi l'insensibilité des conditions initiales d'un système chaotique pour avoir un niveau de sécurité élevé. Un quaternion noté Q, généralement défini sous la forme suivante, avec A, B, C, D sont des coefficients réels et GK sont des unités imaginaires pures
vérifiant les relations ci-dessous. Ces équations nous montrent que la multiplication de deux quaternions n'est pas commutative. Le conjugué et le module d'un nombre quaternion sont définis par ces deux équations. En 1996, Sanguine a proposé de coder les trois canaux d'image couleur sur les trois parties imaginaires d'un nombre quaternion pur, comme il est montré par C'est Mohamed Yamani, tu m'entends? C'est Mohamed Yamani. Oui, monsieur, je m'entends bien. Il faut présenter votre article en anglais, s'il vous plaît. C'est oui. Obligatoire. Oui, monsieur, donc, il faut recommencer. J'ai préparé le... Recommencer. Donc, recommencer votre présentation et présenter l'article ou l'approche en anglais, s'il vous plaît. C'est une contrainte, c'est une obligation. De la conférence. Je peux continuer en français parce que j'ai préparé le discours en français. Non, c'est une obligation. C'est une obligation de la conférence. Donc, il faut présenter votre travail en anglais. Donc, recommencez votre article dès le début et commencez à présenter votre article en anglais, s'il vous plaît. C'est Mohamed Yamani. Ok. Okay, in this work, we propose une work intitulée Color Stereo Image Zero Watt Mapping Using Color Quaternion Radial Chebyshev Mode. The outline of this work, we started by an introduction, then we pass our the quaternion radial Chebyshev moments. After that, we propose a watermarking scheme, then the simulation result, then conclusion and perspective. The stereoscopic is the set of techniques used to reproduce a perception of the relief from two plane image. This image represents two views of the stereo image color. Generally, the principle of stereo image is to capture une scène from the deux capteurs. Si je peux continuer en français. Monsieur? S'il y a Mani, non. Parce que c'est une obligation. C'est demandé par les chairs de cette conférence. Les présentations doivent être en anglais. Ça marche, c'est Mohamed Yamani? Je m'excuse. Oui. Mais c'est une obligation. C'est une obligation. Parce que je n'ai pas préparé la présentation en anglais. Désolé. Non. Est-ce que je peux donner une idée générale sur mon travail? Donc je vais donc contacter le chairman. C'est Saïdi. C'est Saïdi. Est-ce que tu m'entends? D'accord. C'est Mohamed. Oui, monsieur. Mohamed, donc essayez de continuer en français, pas de problème. Oui, merci monsieur. Je peux commencer ou bien continuer? Vous pouvez continuer parce que tu as déjà présenté ça. À vous la parole, c'est Mohamed. Vous pouvez... C'est Mohamed, tu m'entends? C'est Mohamed? Oui. Yamani, donc essayez de... Oui, je peux continuer? D'accord, pas de problème, d'accord. Oui, merci. Un quaternion est défini sous la forme suivante. Ces équations nous montrent que la multiplication
d'un quaternion n'est pas commutatif. Ainsi, le conjugué et le module peuvent être définis par ces deux équations. Sanguine, en 1996, a codé les trois canaux d'une image couleur sur les trois parties d'un quaternion pur, c'est-à-dire de partie réelle 0. Sur la base de cette représentation, un ensemble des moments quaternions a été développé qui convient aux images couleurs, à savoir les moments polaires, les moments cartésiens et les moments radio. La différence entre ces trois types est que la fonction de base des moments quaternions polaires est définie dans le système de coordonnées polaires, tandis que les moments quaternions cartésiens est défini dans le système cartésien. Cependant, les moments quaternions cartésiens peuvent également être définis dans le système polaire. Ces derniers sont appelés radio. Parmi ces moments, on trouve les moments quaternions radio de Chebyshev, les moments quaternions radio de Kautchouk, de Fourier harmonique et d'autres autres types de moments. En raison de leur popularité et leur efficacité à représenter les caractéristiques globales d'image, nous choisissons les moments quaternions radio de Chebyshev pour construire le schéma de tatouage proposé. Ces derniers sont définis via deux parties, une partie angulaire, une partie radiale formée par les polynômes de Chebyshev orthonormalisés, et une partie circulaire construite par des nombres quaternions. Généralement, les moments quaternions radio de Chebyshev ne sont pas invariants. Si une image est pivotée par un angle θ', ces moments changent comme suit. Ces deux équations nous permettent de conclure que les magnitudes de ces moments qui sont invariants à la rotation. Ces magnitudes sont utilisées pour construire notre schéma a pour objectif de protéger les images stéréo couleur. Notre schéma comporte deux phases essentielles, une phase de génération de zéro filigrane dont l'objectif est de générer un message de vérification noté W et s'appelle le zéro filigrane. Et la deuxième phase est la vérification de zéro watermarking, c'est-à-dire la vérification des droits d'auteur des images stéréo couleurs. Concernant la première phase, l'étape 1 est le calcul des moments quaternions radio de Chebyshev pour chaque vue séparément droite et gauche. La deuxième étape est la construction de deux images caractéristiques à partir des magnitudes du moment sélectionné de faible ordre. L'étape suivante est de calculer et de générer une matrice chaotique binaire en utilisant le système chaotique basé sur un réseau couplé de façon linéaire et non linéaire dans leurs paramètres, et les conditions initiales de ce système sont utilisées pour construire la première clé de sécurité notée K1. Et pour renforcer la sécurité de notre schéma, l'image logo binaire ici est utilisée, qui est brouillée avec la transformation d'Arnold, où leurs paramètres sont utilisés pour générer la deuxième clé de sécurité K2. Finalement, les deux images caractéristiques gauche et droite et la matrice chaotique binaire avec le logo brouillé sont utilisées pour générer le zéro filigrane W en appliquant les opérations XOR plusieurs fois comme cet organigramme indique. Finalement, le zéro filigrane et les deux clés de sécurité sont utilisées, qui seront stockées, dans la base de données de propriété intellectuelle. Pour vérifier le copyright d'une image stéréo donnée, la procédure de vérification de zéro filigrane nécessite les principales informations, y compris le zéro filigrane W et les deux clés de sécurité K1 et K2.
En d'autres termes, si on ne connaît pas ces informations, on ne peut pas vérifier le copyright de l'image protégée stéréo. Pour les deux vues gauche et droite, nous suivons les mêmes étapes 1, 2 et 3 et 4 de la phase précédente afin de générer deux images caractéristiques gauche et droite. Et droite et la matrice chaotique binaire en utilisant la même fonctionnalité K1. Ensuite, ces deux images caractéristiques, gauche et droite et la matrice chaotique, avec le 0 filigrane, sont utilisées pour récupérer le logo brouillé. L'étape finale est la récupération du logo en utilisant la transformation inverse d'Arland en utilisant la clé sécurité K2. Pour étudier les performances du schéma proposé, 9 images stéréo couleurs qui sont sélectionnées à partir de la base de données Middlebury et une image binaire sont utilisées pour notre étude expérimentale. Ces images sont utilisées pour générer 9 logos récupérés. Pour mesurer les performances du schéma proposé, le taux de bit correct BCR est utilisé pour mesurer la similitude entre le logo original et les logos récupérés. Généralement, un BCR égal à 1 signifie que le logo original et les logos récupérés sont identiques. Et comme l'image stéréo est composée par deux images, gauche et droite, on a donc deux types d'attaques, asymétriques et symétriques. Les attaques asymétriques indiquent qu'une seule vue de l'image stéréo est attaquée, tandis que les attaques symétriques expliquent que les deux vues de l'image stéréo sont attaquées simultanément. Dans notre étude, les abréviations ABCR et SBCR sont utilisées pour indiquer le BCR lorsque l'image est soumise à une attaque asymétrique et symétrique respectivement. Les attaques asymétriques et symétriques, y compris des attaques géométriques, telles que la rotation, le changement d'échelle, le changement de rapport longueur-largeur de l'image et le recadrage, et des attaques courantes de traitement d'image, à savoir la compression, le bruit gaussien, le bruit sel à poivre, l'égalisation des stochas. L'étude expérimentale est réalisée pour d'autres schémas similaires de filigrane, à savoir le schéma basé sur les moments quaternions radio de DULN, le schéma basé sur les moments quaternions de Fourier harmonique, et un autre schéma basé sur les caractéristiques de texture. Ce tableau montre les BCR moyennes des 9 logos récupérés dans les conditions d'attaque symétrique et asymétrique. Il est clairement montré qu'à partir de ces résultats, que le schéma proposé offre des performances nettement meilleures que les autres schémas dans ce test où les BCR moyennes sont les plus élevées dans cette étude pour des attaques de géométriques et des attaques de traitement d'image courante et pour les deux cas, des attaques asymétriques et symétriques. Cette figure montre un ensemble de logos récupérés à partir des images attaquées ART en utilisant le schéma proposé. Il est clairement montré à partir de cette figure que les logos récupérés sont très proches aux logos originaux avec des BCR, comme vous voyez, très élevés, ce qui confirme l'efficacité de notre schéma. Ce travail a proposé un nouveau schéma de zéro tatouage pour les images stéréo couleurs qui présente une excellente robustesse contre les attaques courantes de traitement d'image et les attaques géométriques pour les deux cas d'attaque asymétriques et symétriques. Également, ce schéma répond avec succès aux exigences de tatouage d'image qui sont l'imperceptibilité, la robustesse et la sécurité. Dans notre travaux futurs, nous viserions à aborder d'autres domaines de recherche
liées aux images stéréo, telles que la sélection de caractéristiques d'images stéréo, la segmentation d'images stéréo, la récupération d'images stéréo et la dissimulation de données réversibles d'images. Et merci pour votre aimable attention. Merci à vous, c'est Mohamed Yamani, sur la clarté de votre exposé. La parole à Monsieur Rifi, professeur Rifi. Est-ce que vous êtes là? C'est Mohamed Rifi, Jamal Rifi. Oui, c'est Saïdi. Vous êtes oui. là? Oui, c'est avec vous. Parole, c'est Mohamed, professeur, c'est Mohamed. D'accord. Donc, je tiens à me féliciter pour la qualité de ton travail. D'accord. C'est Mohamed. Est-ce que tu pourras nous dire normalement ou bien mentionner quelques critères, d'accord, qui peuvent être bien sûr utilisés afin d'évaluer, d'accord, l'approche proposée. Quels sont les critères que vous avez utilisés, adoptés? Généralement, un système de zéro tatouage est performant s'il répond à trois exigences. L'imperceptibilité, c'est-à-dire que les images protégées doivent être plus proches aux images originaux. La deuxième, c'est l'exigence de sécurité. Et la troisième, c'est l'exigence de robustus. Notre travail assure avec succès les deux premières exigences. Concernant la troisième, la robustus, nous avons adopté comme critère le DCR. Le taux des bits correct. Ce critère nous permet d'évaluer qualitativement et quantitativement la robustesse de notre travail. Donc, le critère utilisé, c'est le BCR. D'accord. Et c'est le critère utilisé dans la plupart des papiers. Nous pouvons également utiliser le BER, c'est le complément de BCR. D'accord, c'est le taux d'erreur, oui, monsieur. Oui, merci pour ta réponse. D'accord, bien sûr, j'ai oublié de féliciter pour la qualité de la présentation. D'accord, il y a bien sûr nos collègues Cicioris, Sirgida pour bien sûr leurs efforts considérables, bien sûr, dans l'encadrement de tel travail. D'accord, je les remercie de ma part. D'accord, j'ai une autre petite question concernant. D'accord, est-ce que votre approche, d'accord, il est robuste, d'accord, contre, par exemple, le bruit? Quel type de bruit, monsieur? N'importe quel type de bruit, par exemple, Nous avons testé deux types de bruit, le sel et poivre, comme il est montré dans ce tableau. Deux types de bruit avec différentes intensités. Remarquez-vous, monsieur, que nous avons utilisé le sel et poivre avec une intensité 1%, 0,01, et 3%. Aussi, nous avons utilisé d'autres attaques de traitement d'image, à savoir le filtrage, l'égalisation d'histogramme, le recadrage, ainsi des attaques géométriques. Merci, monsieur. Merci, c'est Mohamed. Merci bien. Je vous souhaite une bonne continuation. D'accord. Et je passe la parole à Cécile. Monsieur, merci, bonjour. Professeur Jamal Rifi. Alors, de ma part, j'ai quelques questions sur le travail de M. Mohamed Yamani. Alors, vous avez utilisé la base de données Melberry. Je connais bien cette base de données parce que, de ma part, j'ai fait la reconstruction. Et cette base d'idées pour la reconstruction 3D, c'est pas pour le tatouage d'image. Oui. Le tatouage d'image. Oui, monsieur, ces images sont utilisées pour construire une scène 3D à partir de plusieurs vues. D'accord. Donc, il faut utiliser une base de données dédiée au tatouage. Quoi? Je vous donne un exemple. Oui, monsieur. Prenons une image noire. Vous voulez insérer une écriture noire, 4 par. Alors, vous trouvez cette image dans le BR. D'accord. Vous n'avez pas la possibilité de sur la base de données. Donc, la base n'est pas dédiée pour le tatouage. Donc, ce n'est pas.
Désolé, monsieur. Pouvez-vous me répéter, s'il vous plaît, monsieur? J'ai un problème de son. La base, maintenant, ça marche? Ça marche? Ça marche, oui. Ça marche, monsieur. Ça marche? Oui. Alors, vous savez que la base de données Melberry est utilisée pour la reconstruction 3D, n'est pas dédiée pour le tatouage d'image. Ça, d'une part. On supposons qu'on ait besoin de cette base de données, parce que votre approche, la contrainte, c'est d'utiliser deux images. Donc, oui. Ce n'est pas grave d'utiliser cette base de données, mais il faut réfléchir à utiliser d'autres bases de données, là où il y a plus d'obstacles, plus de contraintes sur les images à laquelle vous allez insérer la signature. D'accord? Ça, d'un côté. D'autre côté, donc, côté pratique. Supposons qu'on veut insérer la signature dans un livre. Oui. D'accord? Oui. Protéger un livre. Mm-hmm. D'accord? Donc, envoyer sur le net ou un réseau, on veut protéger ce livre. D'accord? Pratiquement. Oui. Alors, on doit insérer la signature. Une signature pour dire que ça appartient à un tel auteur. D'accord? Oui. Alors, pratiquement, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez faire deux copies de livre comme ça la page où vous allez insérer la signature, vous allez faire deux pages comme ça à côté de livre et envoyer le livre. Donc, les attaquants vont facilement voir la page où vous avez la signature. Et comme ça, il y aura plus de chances de... Monsieur, concernant la deuxième question, la stratégie de tatouage pour les images se défait complètement pour les signaux et pour les livres ou bien pour d'autres... dans ce travail, nous avons parlé seulement pour les images. Sans penser, la stratégie se défait. Non, on ne peut pas utiliser la même stratégie pour protéger. Non, je répète, je vais poser la question d'une autre façon. Le livre, supposons que vous allez envoyer un album. Alors, est-ce que pour chaque image, deux images pour envoyer l'album? Mm-hmm. Et si valable le temps dont on voit. Donc, ça aussi, c'est un critère. Monsieur, est-ce que vous dites que un livre numérique qui est construit à partir de plusieurs images ou quoi? Supposons un album qui contient plusieurs images. Un album, c'est un ensemble des images, n'est-ce pas, monsieur? Oui, donc on donc pourra, nous pouvons appliquer notre schéma pour cet album. Puisqu'il s'agit d'un ensemble des images. Donc, quel que soit le nombre d'images. Donc, il fera mieux d'appliquer la sur un ensemble d'images. Sinon, dans l'unité de votre approche, me dites que l'approche sera appliquée seulement sur deux images. Limitation de votre approche. Il ne faut pas dire c'est il faut réfléchir comment, par exemple, insérer la citation dans un livre. Si le livre a un ensemble d'images, si on considère que les pages sont des images. D'accord, c'est concernant, oui, monsieur, j'ai compris votre question. Monsieur, la différence, c'est que concernant les images stéréo, il s'agit de la même scène. Donc, vous voyez, la même scène. Donc, monsieur, concernant un livre, concernant un album. Ça aussi, c'est une contrainte. Donc, avant d'envoyer un album, avant de prendre l'image, donc il faut prendre deux images de la même scène pour appliquer votre approche. Ça aussi, c'est une limitation. Et pour cela, j'ai dit que la base de données que vous avez utilisée, donc c'est pas une base de données dédiée pour le tatouage. Oui, possible, même si elle est très très utilisée dans des travaux récents, qui sont publiés dans des journaux
important. Donc il faut ajouter une partie dans votre article là où tu dois défendre votre travail. Donc tu dois présenter les avantages de l'utilisation des deux images. Parce que à ma connaissance, le tatouage concernant une seule image, c'est pas deux images ou trois ou quatre. Parce que deux images, c'est notre pour la contribution. Notre, c'est dans ce sens, ce travail propose un algorithme pour les images stéréo. L'importance de ce type d'image, c'est que à partir de deux vues gauche et droite, nous pouvons reproduire une perception du relief. C'est ça l'importance des images stéréo. Je sais. Parce que la base de données que tu as utilisée, c'est utilisée dans ce sens. Je sais. La mise en correspondance, la reconstruction 3D, l'autocalibrage et ainsi de suite. Donc, la base de données Medelberry, oui, c'est dédié pour le stéréovisio, ce n'est pas pour le tatouage. D'accord? Oui, d'accord, monsieur. Une autre question, je crois la dernière. Pourquoi tu n'as pas fait des tests réels, c'est-à-dire sur des images réelles? C'est-à-dire, par exemple, vos images. Vous cachez la signature et vous allez essayer de dégager la signature à partir de l'image. Ça donne aussi une valeur à l'approche si vous utilisez... Oui, je peux même dire qu'il faut d'abord réaliser des images stéréo réelles. D'accord, c'est comme ça marche. Ça marche, oui. Oui. Mais tu n'as pas intégré ça dans votre article. Non. Donc, okay. Ça marche? Tu comprends oui, l'idée? Oui, j'ai compris. Merci. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour le public, il y a d'autres questions. Sinon, on passera à la dernière présentation par C. Mohamed Liamani, Hicham Karmouni et Ashraf. Oui. Donc, je vais présenter aussi cette présentation. C'est notre présentation. D'accord, c'est pas grave. Merci. Donc, passez à l'autre. Je peux présenter en français? Oui. Oui, merci, monsieur. Merci. Je vais partager. Est-ce qu'il a la possibilité? Donc, j'attends la permission de si jamais. Elle a demandé. Oui, donc il a déjà sur français, il n'y a pas de problème. J'ai pas. Tu n'as pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Les chers de la conférence. Merci, ça marche. Merci. Donc, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur membre du comité. J'ai le plaisir de vous présenter le résultat d'un autre travail qui s'intitule Bilan Image Zero Watermarking Algorithm Based on Radial Caoutchouc Moments and Caoutchouc System. Ce travail a été effectué également au sein du laboratoire électronique Signaux Systèmes et d'informatique sous l'encadrement de M. Mohamed Sioui et de M. Hassan Qjida. Notre exposé va suivre l'enchaînement suivant. Nous commençons dans un premier temps par une introduction générale sur le contexte de 4 proposé. Puis nous allons définir les moments radiaux de caoutchouc. Ensuite, nous décrirons le schéma proposé pour la protection des images numériques sans aucune modification de l'image originale en utilisant ces moments, suivis par des résultats expérimentaux, et on finira par une conclusion et des perspectives. Les moments d'image sont des descripteurs puissants où ils sont appliqués dans différentes applications de traitement d'image, à savoir le tatouage d'image, la classification d'objets, la segmentation d'image, la détection de contours, l'analyse de texture et la reconstruction d'image. Dans ce travail, on s'intéresse au tatouage d'image. Ce dernier est un domaine très vaste qui combine une large gamme d'applications telles que l'authentification, la protection des droits d'auteur, les empreintes digitales, le contrôle de la copie et la surveillance de diffusion. Récemment, la protection des droits d'auteur pour les images numériques devenue un grand défi
en raison de l'accessibilité facile des données et de l'utilisation croissante de l'Internet. Généralement, les algorithmes de tatouage classique assurent la protection des images en intégrant des informations de copyright dans les images originales. Cependant, ce type d'algorithme n'est pas approprié pour certains types des images, à savoir les images médicales, les images de satellites, de textures ou bien des images de télédiction. Car ce type d'image présente un degré de sensibilité assez élevé où n'importe quelle modification de leur contenu influence gravement sur l'exploitation de ces images. Afin de résoudre ce problème, ce travail propose un schéma de zéro tatouage pour protéger ce type d'image en se basant sur les moments radio de caoutchouc. Avec notre algorithme, aucune information n'a été intégrée dans l'image numérique. En effet, les informations de copyright sont extraites de l'image originale au lieu de les incorporer. Par conséquent, aucune différence entre l'image protégée et l'image originale. L'idée fondamentale de la théorie est la projection de l'espace de données sur une fonction de base pour extraire les informations utiles. Les informations sont extraites sous forme des coefficients de projection qui s'appellent moments. Les moments sont classés en moments non orthogonaux, à savoir les moments complexes et les moments géométriques, et des moments orthogonaux tels que les moments discrets du contour. Les moments discrets acquiert une popularité particulière par rapport aux autres types de moments en termes de la capacité de représentation d'images pour deux raisons principales. La première, ils ne souffrent pas d'erreurs de discrétisation car ils sont discrets et ils ne nécessitent aucune transformation de coordonnées de l'image pour être appliquées. Ces moments peuvent être également classés en moments cartésiens et radio. Un avantage des moments radio est que leurs magnitudes sont invariants à la rotation de l'image, contrairement aux moments cartésiens qui nécessitent une dérivation spéciale pour avoir une invariabilité par rapport à la rotation d'image. À notre connaissance dans la littérature concernant l'analyse des images par la méthode des moments, aucun travail n'a été publié qui applique les moments radio caoutchouc pour protéger les images numériques. Ces moments sont formés par combinaison des polynômes de caoutchouc orthonormalisés, comme il est montré par cette équation, et une fonction angulaire complexe. Ici, oméga représente la fonction de poids et rho représente la norme carrée de polynômes de caoutchouc. Pour une rotation d'angle alpha, les moments radio de caoutchouc s'expriment comme suit. Cette équation nous montre que une rotation avec un angle alpha conduit à ce déphasage, comme il est montré dans cette équation. Si on prend le module des moments de caoutchouc, nous obtenons les magnitudes qui sont invariants à la rotation d'image. Ces magnitudes seront utilisées dans notre schéma de tatouage. Sur la base des moments radio caoutchouc, nous proposons un algorithme de protection des images numériques sans aucune modification. Cette figure montre l'algorithme proposé qui se compose de deux phases, une phase de génération de 0 filigrane et une procédure de vérification de 0 filigrane. Cette figure représente la première phase. L'algorithme de première phase dont l'objectif est d'extraire à partir de l'image originale des informations de copyright appelées 0 watermark noté de bleu. La première étape consiste à calculer les moments radio de caoutchouc en utilisant les équations susmentionnées. Puis, pour sécuriser notre schéma, une matrice chaotique est générée dont leurs paramètres et les conditions initiaux sont formés la première clé notée K1. Pour renforcer également la sécurité du schéma, on utilise un logo binaire qui est brouillé en utilisant la transformation du chat d'Arnold
dont leurs paramètres sont utilisés pour former la clé, notre deuxième clé de sécurité, notée KID. Finalement, nous obtenons le zéro filigrane en appliquant l'opération XOR deux fois, comme il est montré dans cette figure. La procédure de vérification de zéro filigrane est présentée dans cet organigramme qui est utilisé pour valider les droits d'auteur des images protégées. Pour ce faire, on commence par générer une image caractéristique notée L à partir des magnitudes des moments caoutchouc de l'image protégée. Puis, on génère une matrice chaotique binaire en utilisant la même clé de sécurité K1. Ensuite, on applique les opérations XOR entre l'image caractéristique L, l'image caractéristique, et la matrice chaotique dont la sortie est utilisée avec le zéro watermark pour générer un logo récupéré, brouillé. L'étape finale est récupérer le logo en utilisant la transformation inverse d'Arland avec la clé de sécurité K2. Généralement, un algorithme de filigrane est efficace s'il assure l'exigence d'imperceptibilité, de sécurité et de robustesse. Bien sûr, la robustesse contre des attaques de traitement d'image et de distorsions géométriques. Les deux premières exigences, l'imperceptibilité et la sécurité, sont assurées parfaitement par notre algorithme grâce à la stratégie adoptée et grâce au système chaotique utilisé. Concernant la robustesse, on va évaluer la robustesse de notre schéma en utilisant un logo binaire et un ensemble de trois images de différentes catégories d'images, y compris une image médicale, et une image de satellite et une image de texture. Cette robustesse est évaluée en utilisant le taux d'erreur sur les bits qui mesure la similarité entre le logo original et le logo récupéré. Le BER nul signifie que les logos récupérés et le logo original sont identiques. Nous utilisons également le PSNR qui mesure la différence entre l'image originale, les images originaux et les images attaquées par des attaques courante de traitement d'image. Ce tableau montre les résultats de robustesse des trois images sous diverses attaques géométriques et de traitement d'image. Nous pouvons voir clairement que notre résultat sont très satisfaisants pour la plupart des attaques de ce test, où les valeurs BER sont très faibles, comme vous voyez, ce qui indique que les logos récupérés peuvent être facilement reconnus après ces attaques. Ils sont très proches aux logos originaux. Ce tableau montre les BER moyens des trois images de test sous diverses attaques combinées qui sont montrées à cette colonne de gauche. La raison principale de ce test est que l'image peut facilement subir plusieurs attaques simultanément dans le processus de transmission. De plus, notre schéma proposé est comparé avec le schéma 28, qui est basé sur les moments cartésiens de caoutchouc, l'algorithme 30, qui est basé sur la transformation en onde des lettres discrètes, et le schéma 31 qui est basé sur les moments BSL de Fourier. À partir de ces résultats, il est clairement montré que l'algorithme proposé peut bien résister aux attaques combinées que les autres algorithmes où notre BER moyen est très très faible par rapport au taux d'erreur sur les bits. Cette figure montre un ensemble de logos récupérés à partir d'images médicales attaquées avec diverses attaques combinées. Comme nous pouvons voir que les logos récupérés sont reconnaissables pour diverses attaques, généralement cette étude, le premier test et le deuxième test, indiquent que l'algorithme proposé dans ce travail
peut effectivement résister aux attaques courantes de traitement d'image et des distorsions géométriques et aussi contre des attaques combinées. Nous avons proposé dans ce travail un algorithme de géotatouage qui est approprié aux images sensibles telles que les images médicales, les images de satellites et de textures. L'algorithme proposé assure parfaitement aux trois exigences principales qui sont l'imperceptibilité, la robustesse et la sécurité. Nous visons dans les travaux futurs à construire un algorithme de zéro tatouage robuste contre d'autres distorsions géométriques qui sont plus sophistiquées, telles que les attaques en perspective. Et merci pour votre aimable attention. Merci à vous, Mohamed Yamani, sur la clarté de votre présentation, aussi sur votre capacité de publier, de contribuer deux idées différentes dans une conférence. Merci encore une fois. Ce n'est pas simple de rédiger, de modéliser deux idées différentes dans la même conférence. C'est très bien. Alors, je donne la parole au professeur Jamal Rifi. Jamal, c'est Mohamed, c'est Jamal Rifi. Est-ce que vous êtes là, c'est Mohamed? Merci, merci, c'est Saïdi. Si. D'accord, à vous la parole. Merci. Donc, je tiens tout d'abord à féliciter Hassan normalement pour la qualité du travail proposé. D'accord. C'est une approche performante. D'accord, selon les résultats que tu as montrés, d'accord, donc on pourra dire qu'il s'agit d'une approche très performante permettant d'accord, d'incorporer et d'extraire le logo sans des problèmes ou bien avec un taux de reconstruction d'accord, élevé. D'accord, concernant la qualité, je parle de la qualité. Donc j'ai une petite question s'il te plaît concernant l'incorporation du logo au niveau de l'image médicale, est-ce qu'il ne va pas altérer les structures, d'accord, de cette image-là, sachant que tu as montré une image de cerveau, d'accord, je crois IRM, d'accord, un slide sur IRM, qui est, normalement tu as incorporé le logo, est-ce qu'il ne va pas, après avoir extrait le logo, est-ce qu'il ne va pas altérer, d'accord, des structures qu'on ne pourra pas bien sûr visualiser. Est-ce que tu as bien compris la question? Donc après avoir extrait le logo, tu vas d'accord altérer d'accord quelques structures au niveau de cette image. Car normalement lorsqu'on parle de l'imagerie médicale, d'accord, donc il y a une certaine sensibilité concernant ces images-là. Oui, monsieur, concernant les images médicales, oui. Elles sont très sensibles. Donc, on ne peut pas intégrer ou bien incorporer les informations dans leur contenu. Monsieur, dans notre stratégie, nous n'incorporons pas, mais on extrait des informations. Comme vous voyez dans cette organigramme, notre schéma basé sur l'extraction des informations. Ils n'ont pas intégré, on n'intègre aucune information dans ces images. Le logo normalement que tu n'as que tu le logo est utilisé. Oui. Le logo de la gazette. Cet organigramme représente. Oui. Oui, oui, monsieur, concernant le logo L est utilisé pour générer le zero material marking. Concernant l'image originale, seulement on calcule leurs moments qui sont utilisés. D'accord. Leurs moments qui sont utilisés pour construire cette image caractéristique binaire. Donc, on n'intègre aucune information dans l'image originale. D'accord. Merci. Concernant le choix du logo. Donc, je crois, est-ce qu'il y a, par exemple, des logos qui sont un petit peu complexes? Est-ce que vous pouvez manipuler des logos complexes ou bien il suffit de choisir n'importe quel type de logo? Concernant le logo, vous pouvez choisir n'importe... Oui, oui, monsieur. Concernant le logo, vous pouvez choisir n'importe quel, soit simple ou complexe. L'essentiel, pour évaluer notre algorithme, c'est que les images originaux
qui doivent être sélectionnés de façon qui est précise. Mais le logo, vous pouvez choisir n'importe quel type de logo. Quel logo l'essentiel, c'est qu'il soit binaire. Le logo doit être binaire. Oui, oui. Parce que on ne pourra pas manipuler d'autres types de logos, par exemple, au niveau de gris, si vous voulez. Monsieur, si on utilise des logos au niveau de gris, on doit binariser. Parce que nous utilisons des fonctions XOR, et XOR il travaille sur des nombres binaires. Donc, c'est pour cette raison que nous utilisons ce logo. D'accord, je te remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne continuation. Je passe la parole à CCID. Merci CCID. Merci professeur Jamal Alifi. Alors, j'ai quelques questions bien sûr sur votre article, c'est Mohamed Yamani. Tu m'entends, c'est Mohamed? Oui. Je vous entends bien, monsieur. Alors, je passe directement à la comparaison. Tu utilises trois articles, 28, 30, 31. Oui. Lorsque je vois sur les références, les articles de comparaison sont publiés 2008, 2015, 2015. Est-ce que vous ne voyez pas que ces articles ne sont pas récemment publiés? Donc, 2015, c'est très, très éloigné de 2020. Donc, pourquoi ce choix? Parce que les articles sont comme les coordonnées d'un point. Si vous avez bien choisi les coordonnées, le point, ça sera visible. C'est-à-dire, votre article, ça sera visible. Ça sera plus de valorisation. Donc, vous voyez, le choix des articles de comparaison s'ajoute quelque chose sur la qualité de votre article. Oui, monsieur, tout à fait. Ça marche, c'est Mohamed? Oui, monsieur. C'est Mohamed? Oui. Tu m'entends, c'est Mohamed? Oui, je vous entends, monsieur. Monsieur, ça marche, c'est Mohamed? Oui. Est-ce qu'il y a un problème de son? Je ne vous entends rien. C'est Mohamed? Allô? Yamani? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a un problème de son? Tu m'entends maintenant? Oui. Tu as compris la question? Oui, j'ai compris, monsieur. Merci. Monsieur, concernant l'algorithme 28, il s'agit d'un algorithme de tatouage basé sur les moments cartésiens de caoutchouc. Et comme notre travail est basé sur les moments radio de caoutchouc, c'est pour cette raison que nous utilisons cet algorithme. Concernant les autres, ce sont l'algorithme 30 et l'algorithme 31, ce sont des algorithmes de zéro tatouage. C'est-à-dire, il suivit presque les mêmes étapes de notre régime. C'est pour cette raison que nous avons comparé les performances de notre algorithme avec ce travail, avec ces travaux. Monsieur? C'est Saïdi, essayez d'activer le micro. C'est Saïdi? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Tu m'entends maintenant? Oui. C'est Mohamed? Ça marche? Oui, ça marche maintenant. Donc, essayez dans les prochains travaux d'utiliser des articles récemment publiés 2020-2019. Ça marche? Oui. Ça, d'une part. D'autre part, tu as dit dans l'un des slides de votre présentation que la signature insérée et la signature réinsérée, c'est-à-dire retirée de l'image, sont très proches. À la base de quoi? À la base de quoi tu as dit ça? Sont très proches. Non, je crois dans ce tableau, oui, tu as dit que la signature, c'est-à-dire là, voilà, l'image qui est insérée dans l'image d'origine, d'accord? La figure qui est insérée dans l'image d'origine, et la signature scellée retirée de l'image sont les mêmes, sont très proches. Je ne vois pas que sont les mêmes. Il y a certaines perturbations dans l'image retirée de l'image d'origine. Oui, monsieur, tout à fait. Monsieur, ce test utilise des attaques combinées.
Donc, comme vous voyez, un ensemble des attaques ici, c'est le poivre, le filtrage moyen, etc. Monsieur, généralement, on dit que les résultats hyper performants, c'est les critères, le critère utilisé ici, c'est le taux d'erreur sur les vitres, si il est tend vers zéro, c'est-à-dire qu'ils sont très proches. Comme vous voyez, et c'est ce logo, le BER non, non, c'est Mohamed. C'est Mohamed. Oui. Visuellement, ils sont très proches. Mais on ne doit pas adapter seulement la méthode visuelle pour dire qu'ils sont très proches. Concernant les valeurs de BER. Oui, c'est retiré à partir de l'image Ils tendent vers 0,01. Donc, cette logo est meilleur que ce logo. Parce qu'on a 0,01, on a 0,05. Donc, de façon générale, par rapport aux autres méthodes, donc notre, bien sûr, n'est pas parfaite, rien n'est parfait, mais il fonctionne mieux en comparant avec les autres travaux dans cette étude. D'accord, ça, votre réponse m'oriente vers une autre question. Si vous dites ça, c'est-à-dire que votre méthode ou la signature retirée est mieux que les autres signatures, pourquoi scientifiquement? C'est quoi le facteur qui influence pour, bien sûr, retirer une signature plus robuste que l'autre, utilisée dans l'autre? Je pense que le facteur critique ici, oui. C'est les descripteurs utilisés. Nous avons utilisé des moments qui sont discrets et qui sont invariants à la rotation. C'est les moments de tu as dit je crois. Tu as dit je crois, c'est Mohamed. Scientifiquement, il n'y a pas je crois. Il n'y a pas je crois. Donc, il faut d'abord intégrer ça dans l'article. Monsieur généralement, les descripteurs, monsieur, je peux continuer. Les descripteurs influence directement sur l'efficacité de l'algorithme. Oui, ça marche. C'est un critère critique. Oui. C'est un facteur critique. C'est pour cette raison, nous orientons vers les moments orthogonaux discrets. Mais il faut intégrer cette partie dans votre article. Monsieur, il est clairement signalé dans la partie d'introduction de notre papier. L'introduction. Oui. Non, il faut interpréter les résultats par cette remarque. Mais ça marche, encore ça marche. Pas de problème. Alors, s'il n'y a pas... Donc, il y a des questions de la part de Sibrayakas. Elle m'a dit, What about the security? C'est-à-dire, une chose sur la sécurité de votre approche. Tu n'as pas discuté la sécurité, c'est-à-dire les attaques, vraiment. Oui, c'est Mohamed? C'est Mohamed? Monsieur, concernant la robustesse? Non, la sécurité, c'est pas la robustesse. Oui, monsieur, concernant la sécurité. Oui? Monsieur, concernant la sécurité, nous avons adopté deux stratégies. La première, c'est que nous utilisons un système chaotique aléatoire et la transformation d'Arland. Donc, ces deux systèmes nous donnent deux clés de sécurité. Donc, nous pouvons dire que notre système assure ce critère. D'accord. La dernière question, c'est puisque vous avez publié deux méthodes différentes, oui. Pourquoi vous n'avez pas comparé cette méthode avec l'autre? Ou l'inverse, l'autre avec cette méthode. On ne peut pas, car le premier schéma, oui, monsieur, on ne peut pas. Ils ne sont pas encore publiés. D'accord, mais c'est pas grave. Donc, je vous remercie donc, sur votre présentation. Je crois que c'est la dernière présentation. Si jamais, donc je vais clôturer la session. Si vous avez des interventions, si jamais. J'aimerais bien normalement, dire un mot concernant le travail réalisé. Donc il a normalement réalisé
un bon travail, cette personne-là, cet étudiant, et j'aimerais bien, d'accord, savoir est-ce qu'il y a d'autres questions, d'accord, parmi les audiences, d'accord, les participants, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, le public. Oui, le public. Ibrahim, est-ce que toujours vous avez un problème de... Non, ça marche. Ça marche. Donc, je crois aucune question. Donc, aucune question, c'est bon. D'accord. Merci, Cécile. Merci, c'est Jamal. Merci, c'est Access. Merci, les participants. Donc, je déclare que je vais clôturer cette session. Donc, merci pour tout le monde. Merci, Cécile. Merci. Merci à vous aussi.